amis, je pense qu'on va commencer, même s'il nous manque deux personnes qui vont forcément... Ben voilà, l'une des personnes qui arrive. Monsieur Lelu, si vous voulez approcher. Voilà. Et voilà, approcher. Alors, en attendant l'arrivée des derniers, des dernières personnes, je voudrais effectuer une petite introduction et d'abord remercier la Maison de la Culture qui nous accueille ce soir, et notamment Mylène, qui a soutenu chaleureusement et dynamiquement cette initiative, et qui fait qu'on peut se retrouver ce soir pour évoquer Ségalène, ainsi que la jeune association Taparao, dont le président ne doit pas être loin. Non, je ne l'ai pas vu. Il est là, Patrick ? Ah, d'accord, voilà. Voilà. Donc, il chapeaute cette soirée littéraire. Alors, avant même de commencer, je me suis posé une question. Est-ce que vous pensez que Victor Ségalène, dont on fête le centenaire de sa mort, ait pu penser que 100 ans après sa naissance, on aurait une soirée qui lui est consacrée et que les immémoriaux dont il est question dans son roman prennent la parole et parlent de la mémoire peut-être et de la vie telle qu'elle était. Bon, je me suis posé justement cette question. Alors, en mai 1919, décède à 41 ans l'écrivain d'origine bretonne Victor Ségalène. Il avait publié le roman composite « Les immémoriaux » en 1907, puis deux ouvrages sur la Chine, « Stèle » et « Peinture ». Ségalène avait eu une vie de voyageur entre deux pôles, le pôle maori, comme il l'appelait, et le pôle de Chine. L'année 2019 donc, marque le centenaire de la mort de Ségalène, et donc il est important de se poser la question, pour nous en Polynésie, est-ce que Ségalène a encore une actualité? Est-ce qu'il y a un intérêt à lire les œuvres de Ségalène, compte tenu que l'on a une littérature autochtone qui est vivante, dynamique, etc. Est-ce qu'elle vient en complémentarité, en contradiction, en conflit avec cette littérature? C'est un peu le sujet aussi de notre rencontre. Alors, vous dire aussi que du vivant de Ségalène, très peu de textes avaient été publiés. Concernant la Polynésie, il y avait eu d'abord un article sur les cyclones des Tuamotu qui s'appelle « Vers les sinistrés ». Il avait publié Gauguin dans son dernier décor en 1904 au Mercure de France, « Le double Rimbaud » et « Les immémoriaux ». C'est tout. Tout le reste... Eh bien, ce sont des papiers qui ont été publiés plus tardivement jusqu'aux années 95-2000. Hein, certains textes importants sur la Polynésie n'ont été publiés qu'il y a 20-25 ans seulement. Donc tout le reste, tout ce qu'on peut lire de Ségalène, notamment dans la collection bouquins, eh bien, tous ces textes ont été publiés après la mort de Ségalène. Alors, quelques mots pour dire que Ségalène, de son vivant, fut un écrivain peu connu, on comprend pourquoi, on sait pourquoi, marginal, déroutant et certainement inclassable, et ce jusqu'aux années 50. Et il doit sa renommée tardive à la double action, d'abord de sa fille, Annie Jolie Ségalène, qui a passé sa vie à travailler sur les manuscrits de son père et à les publier au cours de son existence. J'ai moi-même rencontré Madame Ségalène en 1986 et elle était toute pleine, bien sûr, de ses publications. Et quand je l'ai rencontrée, elle était assise sous le portrait de son père peint par des voisins. Voilà. Donc, l'action de la fille de Ségalène, et puis, et je pense, l'action de l'histoire, tout bêtement. Et l'histoire, c'est à partir des années 50, l'époque des décolonisations,
l'époque où on met en question le discours, on va dire, unilatéral, colonial. Et donc, tout d'un coup, Ségalène, grâce à la publication dans la collection Terre humaine, apparaît eh bien, comme un précurseur. Mais il ne faut pas aller trop vite, parce que certains critiques ont fait de Ségalène un homme de gauche, d'autres un homme d'extrême droite. Donc, je pense qu'il faut être très prudent. Et en tout cas, je pense que Ségalène sait manier les ambiguïtés, les malentendus, les contradictions. Et donc, toute lecture des textes de Ségalène doit être prise avec, je pense, des pincettes. Deux mots encore pour dire que, pour revenir un peu en Polynésie, et dire que, au fond, la prééminence du mythe tahitien et de tous ses avatars dans la représentation de la Polynésie a fait qu'on a longtemps préféré l'Oti à Ségalène, ici. La preuve en est qu'il y a des traces de la Fatawa, etc., etc., de l'Oti. Il n'y a pas une trace de Ségalène. Il n'y a pas d'avenue Ségalène, il n'y a pas de rue Ségalène, il n'y a pas de magasin Ségalène, il n'y a pas de statue Ségalène, il n'y a rien. Bon. Et donc, il n'y a pas de Raoul Ségalène. Hein. Et ce n'est qu'en 2000, dans le bulletin spécial de la SEO consacré à l'OTI, que la première critique assez virulente a été publiée sur l'OTI, sous la plume de notre écrivaine Chantal, bien évidemment. Un beau texte qu'il faut lire, hein, qui est vigoureux sur l'OTI. Tandis que Ségalène, lui, qui était jugé anti-missionnaire, peut-être anti-colonialiste, est d'une lecture difficile, parce que j'ai souvent fait étudier à mes élèves, soit en classe terminale, soit en première année d'université, les immémoriaux, et ils disaient « Non, monsieur, on n'arrive pas à lire hein, ce livre ». Donc il y avait vraiment des difficultés de lecture. Donc là, et on reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, enfin, du moins de mon côté, un peu sur la langue de Ségalène, qui fait peut-être l'originalité essentielle du livre. Donc, pour terminer là-dessus, deux mots. Donc, lorsque l'Académie tahitienne a été fondée dans les années 70, eh bien, un projet de traduire les immémoriaux en tahitien avait été formulé. Il n'a jamais été suivi d'effet. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Je ne sais pas si on peut traduire en tahitien les immémoriaux, la langue de Ségalène. Bon. Mais en 1982, lorsque Ludovic Ségara adapte les immémoriaux pour la télévision, et que le personnage principal, c'est Henri Hiro. Hein, Henri Hiro l'a dit et l'a même écrit. J'ai une phrase ici. Hiro écrit « J'ai pu exprimer tout ce que j'avais sur le cœur depuis longtemps avec ce film. » Et je me souviens que quand il est venu au collège Pomarécat, où j'enseignais à l'époque, présenter son film, Henri Hiro insistait, après Ségalène aussi, sur l'idée que, au fond, ce qu'est la Polynésie, il n'y a pas que les étrangers qui sont responsables, les Polynésiens aussi sont responsables de la situation de leur pays. Et c'est sensible dans les immémoriaux, au fond. Voilà. Donc, notre soirée va se décliner de la manière suivante. Donc, par ordre alphabétique, et ce ne sera pas tout à fait l'ordre de déroulement. Donc d'abord, nous allons écouter l'écrivain Moetei Brotherson, dont vous avez, j'espère, tous lu le roman « Le roi absent », qui est un grand roman, un roman bien ficelé, bien mené, et qui laisse augurer, j'espère, depuis le temps que je te le demande, hein, de nouvelles publications, Moetei. Hein. Alors, son intervention... Oui. Son intervention est intitulée, de façon très lapidaire, Ségalène et nous. Riccardo Pinieri, alors l'universitaire émérite bien connu, spécialiste donc des arts présents en Polynésie, romancier depuis peu, navigateur à 16 heures, gentleman farmer dans l'île de Raiatea également, il traitera le sujet le mirage de l'origine. Ségalène, lecteur de l'Oti. Alors, Van A, donc le plasticien enseignant, ne sera pas là ce soir parce qu'il est à Hao et va s'envoler dans quelques jours pour Brest, là aussi pour une commémoration ségalène dans laquelle un certain nombre d'artistes polynésiens vont
présenter leurs œuvres donc à l'université Victor Ségalène. Et ce sera Flora, c'est donc Flora de Vatine, la poétesse, directrice de l'Académie tahitienne, la fondatrice de la revue Litera Mauri, etc. Hein, j'ai fait tellement de choses, Flora, qui va nous lire le texte envoyé par Van A. Et puis à la fin de notre rencontre, elle va nous réserver une petite surprise. Alors, est-ce que Tonio est arrivé? Ah, voilà Tonio. Voilà. Donc, Tonio est professeur à l'ESP. Alors, l'ESP, c'est l'ancienne IUFM. C'est l'école qui forme les enseignants de Polynésie. Et il présente ce soir une intervention qui s'appelle Ségalène, un Vaïta du XXe siècle. Vous vous souvenez que Vaïta était le chef qui avait annoncé l'arrivée des pirogues sans balancier, le grand prêtre de Raiatea. Voilà. Alors, notre ami Gaëtan Lelu, qui est inspecteur, on dit d'académie, non, ça c'est toujours comme ça, inspecteur régional, enfin, je ne sais pas tellement comment on dit maintenant. Donc, donc inspecteur au vice-rectorat, et qui va alterner les interventions par trois lectures concernant Ségalène. Voilà. Et puis, pour ma part, eh bien, j'ai préparé un texte qui pourrait nous tenir jusqu'à minuit, donc il sera sensiblement coupé. Je vais essayer de parler d'un certain nombre de lectures qui ont été faites de Ségalène, et puis poser la question de l'actualité ou non de Ségalène dans la Polynésie de 2019. Voilà, donc on va commencer maintenant cette soirée dans l'ordre. Tout à l'heure, on vous présentera la réédition qui a été faite des immémoriaux par les éditions Happy, avec une introduction de notre ami Ricardo. Donc, nous allons commencer par Flora, qui va nous lire les cinq lettres de Vana. Alors, il faut l'imaginer, donc, à Hao, en ce moment. Et peut-être qu'il pense à nous. Hein. Et voilà. Lettre à Daniel. Plus je creuse, et plus il me semble que l'œuvre de Ségalène est une réponse adressée à notre humanité. Une sorte d'antidote à l'impulsivité mensongère adressée d'une nature humaine trop portée au sectarisme, à ce besoin irrépressible de segmenter les hommes en carcans qui saturent. Ce météore si ardent qui cherche à dire, tel un Rimbaud de génie, l'essence même de notre humanité. Il court le temps qui ne cesse de nous le renvoyer. Cet être de feu et de passion millimétré que j'aurais aimé le rencontrer pour de vrai. Ne serait-ce que pour l'entendre dire ce que je sais venir de plus loin que ma condition première. Homme du monde, Ségalène n'a pas fini de nous interpeller. C'est une ouverture qu'il scande en cascade incessant, un appel philosophique, une quête d'existentialiste. L'autre est moi et je ne cesse d'exister dans la diversité humaine. Il y a constamment comme une course au temps qui presse à l'essentiel. Le temps lui manque, il lui faut tout dire au plus vite. Le message est digne d'humaniste du XVIIIe siècle qui considère la diversité ethnique comme un prolongement de l'humain dans l'espace et le temps. C'est la parolière d'une nature toujours plus prononcée, mais une richesse du pluriel qui décline au centuple à mesure que l'on considère l'uniformité comme un gain. Et il me semble que tout chez Ségalène est dans la mesure de la structure. Telle une existence codée jusqu'à la mise en scène de sa propre disparition. Digne jusqu'à la fin. Il n'est pas un modèle, il est un renvoi pour soi, un miroir polymorphe aux multiples facettes. Un artiste, au final, qui s'est consumé jusqu'à l'excès pour pousser plus loin dans l'introversion, pour aller au bout de lui-même. Cette invitation à l'ouverture nécessite le bilan d'une existence accélérée. Son œuvre est à décortiquer au prisme du regard philosophique.
Et c'est cette lucidité qui nous manque parfois pour aller au plus près de la vérité d'un Ségalène intemporel. Je relis encore ce texte que je découvris juché 30 ans plus tôt entre deux rangées d'ouvrages sans intérêt du CDI de mon collège Henri Giraud. Dans le fond, les idées sont nietzschéennes. Dieu est mort, tué par une même volonté de puissance. Le vieux n'est plus qu'une ruine sur laquelle le jeune lion a fait son royaume. Et moi, je ne suis ni l'ancien, ni l'ardeur d'une volonté qui veut occuper l'espace de cet esprit territorialiste qui domine. Je suis d'ici et d'ailleurs une sorte d'esprit libre. C'est tout le paradoxe que de vouloir à la fois s'engager jusqu'à l'os pour s'ignorer et nous ignorer davantage. Les immémoriaux est un engagement politique et intellectuel. Il a le mérite qu'on s'y attarde, non pas comme une norme de conduite à bannir pour le renouveau d'une culture ancestrale, parce que de notre ancien monde, il n'existe plus rien de vivant que des pierres qui agitent les synapses de touristes en quête de folklore. Je serai bientôt à Brest, la terre de Ségalène. J'y serai pour en apprendre davantage, comme les rencontres avec les amis de l'écrivain m'apporteront de quoi éclairer ma lanterne. Un Maori à Brest, c'est assez étrange comme voyage. Dans un imaginaire fictif, j'aime à me considérer colonisateur, intempestif, porteur d'un savoir christique pour instruire le monde. C'est ce que peut pour nous l'écriture quand les barrières mentales cloisonnent à grande dose de valeur qui dénature. C'est l'imaginaire qui prend le relais d'une existence qui s'ennuie déjà trop, bien qu'il pourrait en faire tout un roman. C'est un peu ça, les immémoriaux, une réponse à un passé qui sature de déjà-vu, du tout-entendu, une insatisfaction permanente. L'auteur est cet inquisiteur inversé. Il n'est plus à la solde d'une religiosité qui dessèche. Il idéalise un monde qui agonise. Il est médecin. Il en sait beaucoup trop sur la question épidémique. Les maladies venues d'Europe déciment toute une population. Un peuple était mourant. Et le nôtre actuel s'éveille de plus belle. C'est étrange que l'on puisse dire de la mère qu'elle est nauséeuse et bête. Plus qu'un roman, entre les lignes, je veux percer le mystère Ségalène. Je ne sais trop ce qu'il cherchait à fuir. Une mère dogmatique ou un espace qu'il connaît déjà trop bien. Plus j'en découvre sur le personnage et plus je le trouve étrange. Une étrangeté qui m'interpelle, une ambiguïté qui suscite encore des interrogations. Le travail est minutieux, il est ordonné, comme il cherche à structurer le monde qui se révèle dans ses écrits. L'écriture est concise, quoique difficile à saisir pour les novices qui ne connaissent pas grand-chose de notre histoire, de cette manière si singulière que nous avons de dire le français. La langue se tahitianise, comme l'on s'approprie une culture qui normalise. Ségalène, pour qui et pourquoi ? Défenseur assurément du peu qui reste de notre ancien monde. Le Hairepo n'est plus. Sa nécessité généalogique a laissé place à une justice qui fait le droit au compte-gouttes. Au compte-gouttes. Entre l'aujourd'hui et l'hier, je ne sais trop quoi penser. Tellement il est difficile de prendre de la hauteur dans le tout hasardeux. Moi aussi, je veux entendre mes grands-mères marquisiennes faire le récit de la cosmogonie. Non pas pour idéaliser un ancien monde, mais pour dire le nouveau qui arrive. Il est déjà monstrueux et sa soif de destruction humaine n'a de limite que notre faim. J'ai repensé à cette question essentielle puisqu'elle fonde notre rencontre occasionnelle. Est-ce que Ségalène aujourd'hui occupe une place dans la culture polynésienne?
Si oui, laquelle? Sinon, pourquoi? J'aurais tendance à écrire qu'une minorité d'incorruptibles s'intéresse encore aux immémoriaux. Seulement 3 œuvres publiées, et l'on continue à le citer dans les hautes sphères politiques actuelles. Des briques et des tuiles qui font une amitié, dira le président Macron, pour dire qu'il a lu les écrits d'un sinophile expert dans le maniement des langues exotiques. D'île en île, il cherchait une suite à donner à une existence de breton. Parce qu'on lui a dit qu'il sera différent, mais breton. J'ai toujours considéré différemment la culture bretonne. Une bretonne du collège Henri Hiro a insufflé chez moi ce goût prononcé pour les lettres et les arts. Un autre professeur d'histoire au lycée Paul Gauguin me dira que lorsqu'on sait lire, on peut tout lire. Je ne sais, quelque chose de commun nous unit dans une compréhension mutuelle. Le breton a quelque chose à dire de nous, qu'il s'est déjà enraciné en lui-même. Il est voyageur, comme nous sommes aventuriers, et cherchant au-delà des horizons une réponse à nos questionnements. Terry est ce Maori déchu qui s'apparente à un Henri Hiro, parti et revenu, auréolé désormais d'un désir volcanique. Hiro revient et notre société est déjà 6 pieds sous terre. Le Polynésien a-t-il perdu de ce bonheur qu'on idéalise tant? Ségalène, dans ce roman ethnographique, ne se positionne plus du point de vue du conquérant, de celui qui domine pour instruire le sauvage. L'ordre du monde est inversé. Il habite le Maori pour lui donner une parole en perdition. On l'aura compris, l'auteur est un idéaliste convaincu. Comme Gauguin, il fait front et aspire à faire renaître un idéal perdu, celui non pas d'une Polynésie indigène et dominée, mais porteuse d'une vérité intemporelle. Ce qui se meurt, ce n'est pas la culture, mais les hommes. Quand on sait l'uniformité culturelle comme un phénomène qui dénature notre propension à exister différemment, on aura tendance à penser que Ségalène était en avance sur son temps. Merci Flora pour cette prenante lecture de Vanna. Je propose la suite des interventions. Et donc, Moeteille, oui, qui va donc nous parler de Ségalène et nous. Yorana. Alors, moi, je ne suis pas un universitaire et je n'ai pas voulu... quand Daniel m'a sollicité, d'abord, je me suis demandé pourquoi il me sollicitait moi. Quelqu'un a dû lui dire que j'avais lu Ségalène. Voilà. Et la question que je me suis posée, c'est finalement quelle est l'actualité de Ségalène aujourd'hui en 2019. Alors j'ai fait un petit sondage autour de moi parmi les jeunes. J'ai posé la question à des jeunes qui sont actuellement en licence, au niveau licence, à l'université. J'ai dit Ségalène, si je te dis Ségalène, il ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle. J'ai dit non, ça c'est Ségolène. Mais non, mais c'est une vraie réponse. Une vraie réponse. Et Ségolène, oui, c'est une femme. Ouais. Donc j'ai posé voilà, la question. 95% des jeunes à qui j'ai posé la question ne connaissent pas Ségalène. Ils l'ont jamais lu. J'ai posé la question à ma fille, qui est également en licence. Elle m'a dit, oui, Ségalène, les immémoriaux. Je dis, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte dans les immémoriaux? Ben non, je n'ai pas lu. Mais je sais qu'il a écrit les immémoriaux. Donc même parmi les jeunes qui connaissent l'existence de Ségalène, très peu l'ont lu, sauf ceux que Daniel a obligés, évidemment, à lire Ségalène sous la menace. J'ai évidemment posé la question à mon petit dernier de 6 ans qui m'a dit Sega, je connais, c'est des jeux, mais Ségalène, je connais pas.
Ça, c'est pour la boutade, mais quand même, ça nous donne une idée de la réalité de ce que Ségalène peut ou peut ne pas représenter aujourd'hui en Polynésie en 2019. Alors, le titre de mon intervention, c'est « Ségalène et nous ». Quand on dit ça, avant de parler de nous, je suis obligé de vous parler de moi. C'est un peu... Et j'ai un aveu à vous faire. Ça va peut-être un peu contrarier Daniel, mais je n'ai pas lu les immémoriaux de Victor Ségalène. Ah, je sens le choc. À l'âge de 11 ans, et je suis obligé, je ne peux pas dissocier l'homme politique que je suis aussi aujourd'hui du lecteur avide que j'ai toujours été, et de l'écrivain que je suis occasionnellement quand j'ai le temps, parce que j'ai commencé à lire énormément à l'âge de 11 ans. C'est l'année où ma conscience politique, indépendantiste, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, s'est éveillée. Donc, puisque cherchant des réponses à mes questions, je me suis mis à lire tous les bouquins qui me tombaient sous la main. En l'occurrence, c'était la bibliothèque du collège de Fiti à Huéhine. Et donc, je n'ai pas lu les immémoriaux de Victor Ségalène, mais un jour, en posant la question à la bibliothécaire, en lui disant « Je voudrais un livre qui parle de nous et qui soit... » voilà. Et elle me dit « Attends, il y a un truc là-bas, mais c'est un peu déchiré, mais c'est intéressant. » Enfin, j'ai pas tout lu, parce qu'après, c'est compliqué, mais... Donc, j'ai pris, c'était effectivement un livre un peu reconstitué, avec des pages photocopiées, d'autres qui... On voyait bien que c'était des collages avec du scotch. Il n'y avait pas de couverture. Et donc, j'ai lu. J'ai lu ce livre. Et à l'époque, quand je lisais, je faisais mes petites fiches de lecture sur des blocs Rodia. On avait encore des blocs Rodia. Maintenant, c'est les iPads. Et je notais tout sur mes blocs Rodia. Et j'ai encore ces blocs Rodia. Et j'en ai extrait, en fait, les passages que j'avais retenus de ce livre, qui a été, pour moi, le premier roman historique polynésien écrit par un Polynésien que j'ai lu. Alors, à l'époque, Chantal n'avait pas encore publié, ni ma voisine de gauche. Et donc, pour moi, ça a été un choc. C'était le premier roman historique polynésien que je lisais. Et voilà, des extraits que j'ai notés à l'époque. Donc, à l'époque, j'ai 12 ans, hein, c'est l'année d'après. Cette tresse, on l'a nommée origine du verbe, car elle semblait faire naître les paroles. C'est mauvais signe lorsque les mots se refusent aux hommes que les dieux ont désignés pour être gardiens des mots, car on sait qu'au changement des êtres, afin que cela soit irrévocable, doit s'ajouter l'extermination des mots, et que les mots périssent en entraînant ceux qui les ont créés. Puis un dernier extrait qui, à l'époque, moi, m'avait fait... j'ai mis 3 jours à essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Je ne suis toujours pas sûr d'avoir compris. Ainsi, il jetait avec profondeur des parlers obscurs, comme les maîtres conseillent d'en mêler parmi les dessins ambigus. Puis il feignit de discourir en dormant, car il savait combien la voix d'un rêveur étonne les gens éveillés. Alors évidemment, les spécialistes de Ségalène que vous êtes ont reconnu les immémoriaux de Victor Ségalène. Sauf que moi, sur la couverture du livre que j'avais en main, il y avait marqué les hymnes mémoriaux. Et à la place de l'auteur, il y avait 3 lettres. A, M, J. Et donc, je venais de lire donc, le premier roman historique polynésien écrit par un certain AMJ. Et donc, quelques années plus tard, je suis venu à Papeete et on nous avait fait une visite de ce qui était la présidence du gouvernement, espèce de farépoté à l'entrée du haut commissariat. Et parce que pendant toutes ces années, ça me trottait quand même dans l'esprit, je me disais, qui est cet AMJ? Il faut absolument que je le trouve, parce que ça... Quand même, ce n'est pas un Polynésien standard. Il écrit plutôt bien. Il a un langage assez rare. Donc, ça doit être un intellectuel polynésien. Je ne connaissais pas beaucoup à Huéhine. Et donc, quand je suis arrivé à Papeete, je cherchais un peu comme ça.
Et lors de cette visite du Farépot et de la présidence du gouvernement, on m'a présenté un monsieur, il s'appelait Alexandre Moyava Atta. Et la manière dont il s'exprimait, j'étais sûr que c'était lui. Parce qu'en plus, Alexandre Moyava, j'avais AM, mais le J, ça coinçait. Alors j'étais à moitié content. Alors j'ai continué de chercher, je me suis dit, c'est peut-être pas lui. Et puis un jour, je suis venu ici, à la maison, à l'OTAC, ça s'appelait à l'époque, et il y avait ce monsieur-là, qui faisait un truc sur le... ce qui n'était pas encore le Papa Hiro, mais qui allait le devenir. Et donc là, du coup, j'avais M et J, mais le A ne collait pas. Mais le reste collait. Donc voilà, pour moi, c'était soit John Mayer, soit Alec Atta, qui avait écrit les hymnes mémoriaux. Et donc l'année d'après, en allant dans une librairie de la place près de la cathédrale, pour ne pas faire de pub, je suis tombé sur les immémoriaux de Victor Segalen, et là, le poteau rose a été dévoilé. Et ça m'a questionné, parce que je me suis dit, pendant toutes ces années, j'étais persuadé que ce bouquin avait été écrit par un intello polynésien. Bon, il a été, c'est vrai, écrit par un intello, il faut dire ce qui est, mais pas polynésien. Et je ne vais pas dire que l'écrivain que je suis devenu doit quelque chose à Segalen, parce que ce serait prétentieux de ma part, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que quand j'ai commencé à écrire, cette espèce de trinité, John Mayer, Hey, Alec Atta, et puis Segalen après, hein, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je ne sais pas dans quel ordre il faut les mettre, m'a influencé. Et en tout cas, m'a poussé à écrire. Donc, pour ce qui me concerne, je pense que je dois quelque chose en tant qu'écrivain à Victor Segalen, parce que de par la complexité du roman, bon, pour ceux qui ont lu Le Roi absent, c'est peut-être pas non plus la lecture la plus simple qui soit. Quand j'ai été confronté aux hymnes mémoriaux, donc de AMJ, alors la bibliothécaire après m'a révélé que c'était juste l'année, le mois, le jour, mais qu'elle n'avait pas eu le temps de compléter. Bon. AMJ, donc. Non. Donc la complexité du roman, moi, m'avait fasciné, et de me dire que un Polynésien était capable d'écrire un tel roman, évidemment, un indépendantiste en devenir que j'étais, c'était que du bonheur. À partir du moment où j'ai su que c'était Victor Segalen, et que donc j'ai relu du coup les immémoriaux avec une autre perspective, j'ai tout autant apprécié l'ouvrage, parce qu'il est magnifique. Et je me suis intéressé au personnage, je me suis intéressé au contexte dans lequel il a écrit cet ouvrage. Et ce que Daniel disait en préambule, là encore, pour moi, c'était musique à mes oreilles, de me dire que, voilà, à l'époque, justement, par rapport à un Loti, qui est quand même l'archétype de l'écriture un peu coloniale condescendante, mais bon, qui malgré tout est le seul qu'on chante en bringue, hein, Mary. Eh oui. Il faudra qu'on fasse une chanson pour Segalen, hein, un de ces quatre. Donc, voilà, on avait cet écrivain. Alors, je ne pense pas qu'il soit simplement écrivain, mais là, c'est aux universitaires de nous éclairer là-dessus. Ce monsieur, il a trop de facettes pour qu'on puisse le cantonner dans la simple case écrivain. Il est écrivain, philosophe, voyageur. Enfin, c'est un humaniste dans le plus noble le sens du terme. Et c'est certainement le précurseur de bien d'autres après lui, hein, qui ont toute cette génération d'écrivains voyageurs. Je pense qu'ils doivent tous quelque chose à Segalen. Mais en tout cas, ce rapport à l'exotisme qui est particulier, hein, qui est chez Segalen, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. Et
C'est pour ça que j'essaye d'encourager tous les jeunes Polynésiens qui viennent me demander un peu des conseils de lecture. Je leur dis, mais commencez par lire Ségalène. Bon, après, il faut lire nos auteurs à nous, mais chronologiquement, commencez par lire Ségalène, parce que ça va vous prouver que même un popa peut avoir une écriture, et je dis bien dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, c'est pas que c'est plus facile, mais si, c'est plus facile aujourd'hui. Mais à son époque, il fallait être un iconoclaste de la pire espèce quand même pour écrire la manière dont il écrit. Et donc, je leur dis, voilà, commencez par lire Ségalène et ça va vous peut-être vous éclairer sur justement l'exotisme. On est toujours l'exotique de quelqu'un. Moi, si je vais en Alsace, je trouve les Alsaciens d'un exotisme fou. En Bretagne, le Queen Anne, quel exotisme. Donc on est tous l'exotique de quelqu'un. Et je crois que Ségalène, et ça va peut-être être ma conclusion, parce qu'il ne faut pas prendre trop de temps, il a poussé cette analyse de l'exotisme jusqu'à dire, quelque part, qu'on est son propre exotique. Parce que quand on le lit, et à force de le lire, et quand on lit notamment ses ouvrages sur la Chine, c'est vachement intéressant, parce que du coup, après, j'ai lu tous les autres ouvrages. En fait, il dit, en substance, que la manière dont on s'interroge sur l'autre nous renvoie à la propre définition qu'on croit avoir de soi-même. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Et ça, pour moi, c'est primordial, de se dire que le fait de se tourner vers l'extérieur de soi peut nous éclairer sur ce qu'on est soi-même. Voilà. Et vraiment, pour conclure, là, l'indépendantiste reprend le dessus. Désolé. Je vais faire une dernière citation de Ségalène qui me paraît merveilleuse. Il dit à un moment, je crois que c'est dans l'essai sur l'exotisme, justement, « Le divers décroît. C'est là le grand danger terrestre. C'est donc contre cette déchéance qu'il faut lutter, se battre, mourir peut-être avec beauté. » Maruru Ségalène. Merci Moëtei pour cette belle évocation de Ségalène. Et donc, comme je disais tout à l'instant, j'avais compris que AMJ, c'était Anne-Marie Jaouet. C'était un livre qui venait du collège Anne-Marie Jaouet. Alors, je trouvais que c'est vrai. Donc, c'est toi entre Meyrey, Alekata et. Voilà. Et donc, c'était année, mois et jour. Pas mal. Mais ça t'a marqué. Tout à fait. Voilà. Alors, maintenant, eh bien. On va écouter Ricardo, mais auparavant, notre inspecteur, Gaëtan Lelu, va nous lire... Tu l'as, le texte ? Donc, il va nous lire un petit passage du livre Gauguin dans son dernier décor. Gauguin dans son dernier décor. Ce décor, il fut somptueux et funéraire, ainsi qu'il convenait à une telle agonie. Il fut splendide et triste, paradoxal un peu, et entoura de tonalités justes le dernier acte lointain d'une vie vagabonde qui s'en éclaire et s'en commente. Mais par reflet, la personnalité forte de Gauguin illumine à son tour le cadre choisi, le séjour ultimement élu, le remplit, l'anime, le déborde.
Si bien qu'on peut comprendre dans une même vision d'œuvre scientifique, lui, premier rôle, ses comparses indigènes, le milieu décoratif. Gauguin fut un monstre. C'est-à-dire qu'on ne peut le faire entrer dans aucune des catégories morales, intellectuelles ou sociales qui suffisent à définir la plupart des individualités. Pour la foule, juger, c'est étiqueté. On peut être honorable négociant, magistrat intègre, peintre de talent, pauvre et honnête, jeune fille bien élevée, on peut être artiste, voire grand artiste. Mais c'est déjà moins permis. Et il est impardonnable d'être autre chose que tout cela, car il manquerait pour être classé le cliché requis. Gauguin fut donc un monstre. Et il le fut complètement, impérieusement. Certains êtres ne sont exceptionnels que dans un sens, vers un axe autour duquel tourbillonne, semble-t-il, l'ensemble de leurs forces vives. Et pour le reste, la vie courante, économie domestique, visite de politesse, sentiment du devoir, ils peuvent être bourgeois, normaux. C'est affaire de tempérament, de tenue physique. Tel écrivain splendide et forcené peut avoir l'habit de chair d'un maigre sacristain. Le génie n'exclut point un extérieur honorable, décent, une vie de négoce ou de ponctualité. Et Gauguin, encore, ne fut point tout cela. Mais il apparut dans ces dernières années comme un être ambigu et douloureux, plein de cœur et ingrat, serviable aux faibles, même à leur encontre, superbe, pourtant susceptible comme un enfant au jugement des hommes et à leur pénalité, primitif et fruste. Et il fut divers et dans tout excessif. Alors là, il y a une coupure. Daniel, est-ce que vous pouvez m'indiquer ce... Parce qu'on arrive à une... Le portrait se poursuit. Hein, et donc, j'ai coupé jusqu'à l'évocation des atua, des yeux. Très bien. Voilà. Donc, sous la statuette, un titre et des strophes de la main de Gauguin. Te atua. Les dieux sont morts et Atuana meurt de leur mort. Le soleil, autrefois qui l'enflammait, l'endort. D'un sommeil triste, avec de brefs réveils de rêve. L'arbre alors du regret point dans les yeux de l'Ève, qui, pensive, sourit en regardant son sein, or stérile, scellé par les divins desseins. Merci Gaëtan pour cette lecture qui introduit donc la prestation de Riccardo. En français, hein, pas en italien. Si tu veux, grand plaisir. Merci de cette lecture qui va justement me permettre de lire à mon tour. Lire à mon tour Ségalène lisant Gauguin. Nous sommes donc dans un espace de complicité amicale. Et ne vous étonnez pas si j'évoque des noms propres, des écrivains. Je pense en effet que les écrivains, que ce soit Loti, que ce soit Flaubert ou d'autres, sont nos véritables tupuna, c'est-à-dire, en ce qui me concerne, nos véritables ancêtres, grands ancêtres. La littérature, la philosophie, l'art est ce terrain d'échange, de partage. Un espace qui ouvre les fenêtres sur le monde au lieu de les renfermer dans des frontières politico-sociales. L'œuvre de Ségalène, comme l'écrit son biographe Gilles Manseron, est, et je cite son grand biographe Manseron, l'une des rares à avoir vu le jour où un public susceptible de l'apprécier n'existait pas encore. Elle appartient davantage à la littérature de la seconde moitié du siècle qu'à celle de l'époque où elle a été écrite. Il faut effectivement attendre la fin des années 60 pour qu'il y ait en France une réception véritable de l'œuvre de Ségalène. Mis à part André Malraux,
dans les années 30, et que s'opère la fusion des horizons, celui de l'écrivain et celui de l'époque. Les années 60 voient l'affirmation des nationalités des anciennes colonies du monde occidental. Pour les écrivains francophones, il faut citer Frantz Fanon, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas. Sartre va offrir une légitimation philosophique à la littérature postcoloniale qui se développe justement à partir des années 60, avec la préface de Jean-Paul Sartre à Peau noire et masque blanc de Fanon, publiée en 52. En Polynésie, vous l'avez rappelé, les années 70 voient le travail, l'enthousiasme d'Henri Hirault et cette profonde complicité entre le travail d'Henri Hirault et les immémoriaux de Ségalène. Les immémoriaux qui deviennent la Bible postcoloniale de la culture polynésienne rénovée. Le film de Ludovic Ségara de 82, les immémoriaux, le film Marais de 83 sont les documents essentiels pour comprendre cette relation entre Henri Hirault et Victor Ségalène. Dans l'œuvre de Ségalène, qu'est-ce qui l'intéresse, Henri Hirault? Je dirais une solidarité qui consiste dans le rejet du côté de Ségalène et du côté également d'Henri Hirault du christianisme identifié au colonialisme. Christianisme et colonialisme sont pour Ségalène synonymes. Leur rejet est grand. Mais la polémique, Daniel l'a rappelé, est virulente aussi contre la culture tahitienne qui a perdu la mémoire des noms anciens, du langage ancien. La musique traditionnelle a été remplacée, comme l'écrit Ségalène, dans un texte « Voix morte et musique maori » de 1907. La musique traditionnelle a été remplacée par les résonances américaines, les pas nègres et les plus viles acrobaties rythmiques qui ont envahi le répertoire ancestral, se sont répandues comme des parasites immondes, une lèpre, une maladie obscène. 1907, ce texte de Ségalène. 1907, l'année du primitivisme, hein, l'année de Picasso, l'année de Matisse et la redécouverte des cultures primitives. Ségalène n'aimait pas le jazz, c'est évident. Comme plus tard, il n'aimera pas le mélange d'art bouddhiste et d'art chinois primitif. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Dans la civilisation polynésienne, comme dans celle chinoise, Ségalène recherche l'originaire, un état premier des mondes anciens, ce qui implique chez lui l'idée d'une impénétrabilité des cultures, d'une fermeture des cultures sur elles-mêmes. La perception aiguë et immédiate d'une incompréhensibilité éternelle, il écrit dans l'essai sur l'exotisme. Cette position se veut aux antipodes du colonialisme et de la littérature casque coloniale. Dans les immémoriaux, le voyage de Paofei et de Terry vers Hawaï, Samoa, dans le texte de Ségalène, c'est le voyage vers le centre originaire du monde polynésien. Quête du parler ancien, une remontée vers les sources de l'identité. Tout se passe comme si le mythe de l'origine innocente de l'humanité, héritage de Rousseau et du rousseauisme, ressemblait au mirage de la Fata Morgana, bien connu des navigateurs, bien connu des voyageurs,
qui suscite des châteaux crénelés dans les étendues marines, des plans d'eau au milieu du désert, faiseur d'invisible au cœur du visible, le mirage de la Fata Morgana rend les choses vues de loin plus grandes, plus mystérieuses, plus fascinantes. Il y a sûrement chez Ségalène, chez le jeune Ségalène, héritier absolu d'un certain Nietzsche, la nostalgie romantique d'un âge de l'humanité non corrompu par la technique et surtout par l'influence du christianisme, d'un âge d'avant l'histoire. Typiquement romantique, c'est sa conception de la tradition comme objectivité immodifiable, distance infranchissable. Très tôt, le rejet de Ségalène du christianisme provient de cet rejet de l'héritage du catholicisme familial. Le conflit se dessine dans les immémoriaux entre le parler originaire et le nouveau parler des missionnaires. Le parler originaire assure le lien entre les hommes, les choses et les dieux. Il écrit Ségalène écrit ce passage où l'aérepo, Terry, n'a pas encore oublié les mots primitifs, ne va pas encore être chassé, comme nous allons voir, de la communauté ancienne. Écoutez ce qu'il dit, Ségalène, à propos de l'aérepo, Terry. Il disait tout d'une haleine les beaux noms ancestraux, marquant d'un geste mesuré des bras chacun des accouplements éternels. Un bruissement monté de la foule, amené par le rythme, par le balancement des mots, et qui récitait elle aussi les séries originelles interminablement redoublées. Il y a chez Ségalène la conception d'une perméabilité de la parole des origines, de la parole polynésienne des origines, une perméabilité entre les choses et la parole, entre les récits interminables et la réalité, un érotisme intégral du langage. Le langage des immémoriaux se fonde sur une ontologie animiste où chaque mot est une réalité vivante, remplie de sacré. Nous ne pouvons pas oublier, nous, les lecteurs de Ségalène, qui lisons aussi à travers notre mémoire, la référence ici à Salammbô de Flaubert, paru en 1862. Salammbô est la référence essentielle pour comprendre également l'écriture des immémoriaux. Un autre extrait, au moment où il y a dans la grande fête l'arrivée des 12 figures majeures du monde polynésien. Ils parurent, les 12 à la jambe tatouée, ceinturés du maro blanc sacerdotal, poudrés de safran, ils marchaient, peints de jaune, dans le soleil jaune qui ruisselait sur leur peau honteuse. Leurs immobiles et paisibles regards contemplaient la mer exotique. Des souffles passaient dans leurs cheveux luisants et remuaient sur leur front d'impalpables tatous. Leur poitrine, énorme comme il convient aux puissants, vibrait de liesse et de force en jetant des paroles cadencées. Entourés de leurs femmes peintes,
les divines ornées pour plaire, aux belles cuisses, aux dents luisantes comme les dents vives des atours requins, les maîtres figurés, 12 fils voluptueux de Horo, descendus sur le mont Païa pour se mêler aux mortels. Nous ne pouvons pas ne pas voir qu'ici, Ségalène, qu'est-ce écrit un texte comme Salammbô, tropicalisé. Il se déplace de Carthage à Tahiti. Les sources avec Flaubert sont nombreuses de l'écriture de Ségalène. Et c'est tant mieux, parce que tout écrivain qui se respecte convoque des amitiés stellaires, des noms propres, un nous fait justement de complicité dans l'écriture, dans la pensée, dans la parole. Les sources avec Flaubert, ce sont les récits de voyage, de découverte du 18e. William Ellis avec ses recherches polynésiennes, Morenaut, bien sûr. Max Radiguet, Pierre Loti. Qu'est-ce qu'il fait, Ségalène? Il oppose la religion des livres à la religion du livre. Il applique aux antiquités polynésiennes les procédés du roman moderne. Henri Bouillet, le grand lecteur de Ségalène, il fera sa thèse d'état sur justement Ségalène, l'appelle une ethnologie bienveillante. À la recherche du parler ancien, Jean-Jules Semla, notre ami mort, que nous évoquons ici avec respect et amitié, Jean-Jules Semla relate que 2 ans avant sa mort, Ségalène retourne à la phrase « Dans le principe, rien, excepté l'image de soi-même ». Cette phrase qui illustre la phrase introductive de l'origine du monde polynésien. « Dans le principe, rien, excepté l'image de soi-même ». Et à la fin de sa vie, Ségalène confie à sa femme dans une lettre non publiée qu'il désirait faire une nouvelle réédition des Immémoriaux. Et son sujet serait d'écrire essentiellement l'image de soi-même. Ce détail montre l'importance accordée par Ségalène à l'idée de l'image de soi, qui devint sa quête centrale. L'œuvre de Ségalène, même s'il a introduit la notion d'exote que nous connaissons, c'est-à-dire le passionné de l'ailleurs, l'exote, c'est lui qui se met toujours à l'épreuve de l'autre. L'œuvre de Ségalène relève de ce que j'appellerais l'exobiographie, c'est-à-dire de l'écriture de soi en tant qu'autre. Entre le peuple polynésien, qui depuis longtemps, et pas uniquement depuis la colonisation, est en train de perdre la mémoire des temps anciens et l'identité de l'écrivain à la généalogie complexe, il y a une étroite relation que Ségalène va mettre justement en évidence dans les Immémoriaux. Roman familial, oui, toute l'histoire de Ségalène est un très grand, immense roman familial. Le père, dont il porte le même prénom, Victor, est un enfant trouvé, un bâtard, que la mère a confié à l'hospice de Brest. Par la suite,
Elle reconnaîtra l'enfant, lui donnant son propre nom, Ségalène. L'écrivain effacera l'accent aigu pour se démarquer du nom de la grand-mère, qui deviendra servante dans la famille du père biologique. Toute l'œuvre de Ségalène va sous le signe de la confrontation entre le nom du grand-père biologique, Tréguier, mort 5 ans avant la naissance du père de l'écrivain, et le nom de la grand-mère, Ségalène, marqué par la faute. Souvent, le roman occidental se bâtit sur la perte du lien avec l'origine familiale, sur la crise du lien familial, sur la crise de l'origine ethnique. Ou bien nous avons dans le roman occidental, la figure de l'enfant en fugue qui veut se reconstruire une autre famille. Les aventures du Kleberu. Finn de Mark Twain. Plus récemment, Georges Perec. Je présume. Tu l'aimes beaucoup. Moi aussi. Le lieu d'une fugue. Lisez le roman de Georges Perec. Donc, d'un côté, l'enfant qui s'en va, qui part, qui va se reconstruire une autre famille, ou bien encore le travestissement des origines, les prétendues origines troyennes des Francs, c'est un mythe apparu au 7e siècle, opposé aux Gaulois, aux origines plébéiennes. La question de l'origine est la question centrale depuis donc un certain nombre de siècles pour fonder l'unité de la nation et l'unité de l'individu également. Tout enfant incompris se rêve en aristocrate. Toute nation en crise d'identité se veut descendante d'une origine pure et noble que les mythes sont censés transmettre. Voilà l'enjeu des immémoriaux, mais aussi des romans chinois postérieurs, Fils du ciel, René Leys, que François Cheng, autre figure à laquelle nous rendons hommage, a si bien lu dans l'un vers l'autre. Que je vous conseille vivement. En 1911, Ségalène assiste à la chute du pouvoir impérial de l'empereur chinois, qui, selon lui, représente l'une des plus admirables fictions du monde. L'empereur, fils du ciel, c'est vraiment la mort de la vieille Chine, commente Ségalène. Gauguin avait écrit la même chose à propos de Tahiti lors de la mort de Pomaré V. Le roman moderne a comme personnage central le héros problématique, le personnage qui est en train de se construire une identité, un sens de l'existence. Depuis le Quichotte de Cervantes, qui marque lui aussi le passage de la poésie épique, l'épos, avec le sujet communautaire au centre de la littérature, à la quête du sens de l'existence singulière de l'individu. 11 ans après les immémoriaux, Ségalène écrit « Le maître du jouir » en 1907. Dont l'action se situe 100 ans après les immémoriaux, avec la figure centrale de Gauguin. Son idée était de faire de son roman une sorte d'équivalent littéraire de ce que Gauguin avait cherché dans sa peinture. C'est toujours Manseron qui nous fait remarquer cela. Dans ce texte, Le maître du jouir,
qu'on ne cite pas souvent, qu'on lit beaucoup moins que les immémoriaux, beaucoup, beaucoup moins, mais qui est pourtant très important pour la compréhension de Ségalène. Dans ce texte, le peintre, Gauguin, part avec des jeunes hommes et de belles femmes coloniser une île et s'adonner à la religion du corps, à la jouissance, à la religion de la jouissance, antidote au christianisme et au colonialisme impérant. Ségalène est ici fidèle à toute la mouvance du décadentisme européen, depuis Huysmans à D'Annunzio, d'Oscar Wilde à Théophile Gautier. Il est doublement inactuel, Ségalène, oui. Il est l'initiateur d'une littérature anticolonialiste à partir d'une idéologie aristocratique, à base du renouveau de la culture tahitienne des années 80. Regardez attentivement, relisez, réécoutez le film Marais de 83 avec Hiron pour voir ce que j'appelle l'idéal aristocratique renouvé. L'apologie de l'aristocratie ancienne. Mais il est aussi, Ségalène, précurseur des années du désir comme valeur suprême de l'Occident contemporain. La situation originaire de l'homme au monde, pour Ségalène, comme pour Nietzsche, c'est la jouissance. C'est la jouissance, opposée à l'hominisation, au devenir homme, par le travail. L'essence même du christianisme de Hegel et de Marx, pour les lecteurs que nous sommes. L'homo sapiens a fait de nos jours place à l'homo gaudiosus, l'homme de la jouissance. Et Tahiti devient chez Ségalène l'Éden de la culture de la jouissance. Il prône, à travers l'image de Tahiti, il prône pour la culture occidentale un rejet du christianisme pour retrouver une hypothétique civilisation du plaisir, l'époque des valeurs festives que nous retrouverons dans les mythes californiens d'Henry Miller et de Beatnik. L'apothéose 68 de la génération Peace and Love et sa banalisation dans les années 80 avec l'apologie des herbes aromatiques, bonnes pour la santé. Dans le Maître du Jouir, Ségalène abandonne la prose épique archaïsante des immémoriaux qui faisait son intérêt et son écriture en ressent, oui. Son écriture en ressent, ayant perdu l'ambiguïté qui faisait la grandeur des immémoriaux, de ce mélange extraordinaire par moments, de la vérité ethnographique et du vraisemblable esthétique. Ici, dans le roman L'homme du jouir, ici l'écriture est plate dans ce texte, comme la bonasse de la mer. On n'avance pas. Il y a un passage rapide que je vais vous lire de Le Maître du Jouir. Merci. Là-dessus, je questionnais hâtivement Tioca, l'ami de Marquisien, au parler inépuisable sur le maître. En effet, il parla aussitôt abondamment. Dévainé autour de Gauguin, vraiment, on ne les compte pas, tout d'abord. Tu veux savoir, il y avait Vaikehuhine et Pinokakere, qui étaient deux sœurs, et aussi Meretaputi de l'île Napu,
et comme ensuite faire oreille qui s'échappa de plusieurs amants pour rejoindre Gauguin. Les femmes le cherchaient pour dormir avec lui, et puis elles étaient désireuses des belles choses qu'elles en recevaient. Il y avait encore Raïetaï. Vous vous souvenez de la liste de Leporello dans l'opéra dans le Don Juan de Mozart, hein? Madamina, il catalogo è questo. Il y a in Germania 1003, in Spagna 1003. C'est Leporello retrouvé dans les retrouvé dans les îles du Pacifique, dans ce passage où l'écriture ressent vraiment de ce que j'appelle une sorte de bonasse, un manque de rythme. Donc, la resacralisation des mythes primitifs s'accompagne chez Ségalène d'une religion esthétique. L'art comme substitut du religieux. Et ça, c'est pour notre ami Margueron. Il faudrait se rappeler de ce passage 1930. Ségalène le connaissait bien. De Laus Vitae, ce grand poème de D'Annunzio, où il dit D'Annunzio, que tu sois loué, diversité des créatures, sirène du monde. Le génie artistique devient la nouvelle idole dans ce texte. Le maître du jouir. Je crois que, personnellement que c'est une mauvaise lecture de la part de Ségalène de Gauguin. Tout au moins une lecture tronquée. La lecture de Gauguin, le dernier Gauguin aux marquises, ne peut pas ne pas tenir compte de la présence de la mort, de la profonde tristesse, comme ces cavaliers qui traversent la Seine dans Cavalier sur la plage. Ne pas prendre en compte cette présence du mal, de l'obscurité, et les natures mortes sont là pour nous le dire, nous le signifier, les natures mortes des années des marquises, notamment ce tableau magnifique qui s'appelle « Nature morte aux oiseaux exotiques ». Oublier la présence du mal, de la mort, de l'obscurité, de l'échec chez Gauguin, c'est uniquement tenir compte des attitudes peut-être les plus lisibles chez le peintre. Les frasques de la maison du jouir, la polémique mal comprise de Gauguin avec le christianisme et le monde moderne. Il n'est pas seul à pratiquer cette confusion d'horizon. Le président François Mitterrand, prince des jouisseurs, venu en 1994 inaugurer la nouvelle université de lettres et sciences sociales de Brest, dira: Victor Ségalène, l'un des écrivains qui, à travers le temps qui vient, grandiront. Bon, ce n'est pas trop dire. C'est le minimum. Le propre du mirage, donc, c'est de s'éloigner lorsqu'on s'approche de la source. Plus on s'approche de la source, plus le mirage nous renvoie à l'ailleurs. En 1916, juste avant sa mort, il a un projet d'écrire Les Immémoriaux bretons. Et il dira à sa femme, dans une lettre, « Mon dernier livre
autour et dedans de la Bretagne. Retour à l'os central. Que ce livre, par non-reniement, soit semblable au premier. La boucle est bouclée. Là, il est fidèle à Gauguin. Lorsque dans une des dernières lettres du peintre à l'ami Daniel de Montfred, il dit « Je veux partir d'ici. Je veux aller à la recherche du primitif andalou. » À la question donc, directrice de notre rencontre, et ça sera ma conclusion, comment lire Victor Saint-Gallen aujourd'hui en Polynésie? Je répondrai pour ma part que Saint-Gallen est devenu maintenant, ici comme ailleurs, notre contemporain sous le signe de la jouissance sans entrave de la part de l'homme gaudiosus. Mais la forêt d'Huelgoat, en Bretagne, là où on a retrouvé le cadavre de Saint-Gallen, et là, cette forêt, pour nous interroger, nous poser d'autres questions. En lisant François Cheng, sur la pertinence de l'identification du bonheur avec le sens de la vie et de la mort. Dans son poème à Saint-Gallen, François Cheng écrit « Au bout du chemin de la vie, nous entrons dans la forêt obscure. Sur la berge, nous nous asseyons. S'installe alors autour de nous l'étrange silence. L'heure enfin n'est-elle venue de nous rendre sans plus tarder à l'audience du destin. Ici donc le lit de la douleur, le lit de la douceur. Nous nous y abandonnons. Lorsque tout se termine, tout ne fait que commencer. Merci. Merci Ricardo pour ce panorama qui allait des immémoriaux à Flaubert, à François Cheng, qui est effectivement un écrivain majeur. Hein, et le voyage de Saint-Gallen en Chine est à mettre en parallèle avec le voyage de Cheng en Europe et en France notamment. Hein, c'est vraiment un livre très, très intéressant sur les affinités spirituelles de Cheng et de Saint-Gallen. Bien, alors, on va donc maintenant écouter Tonio. Hein. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais arrivé, donc j'ai annoncé ton intervention, et elle va se faire donc comme une bonne dissertation, hein, en trois parties. Hein, j'ai bien. Et donc, je te laisse la parole, Tonio, et nous t'écoutons. Tu as un micro ? Yorana, tout le monde. Donc, Tonio Tomaru, enseignant actuellement à l'ESP. Je me suis également posé la question, comme Mouetteil, pour quelles raisons ai-je été convié par Marc. En fait, c'est grâce à mon aimable et adorable inspecteur, M. Lulu, avec qui j'ai eu l'immense joie et chance de travailler, et que je pense continuer encore à travailler avec lui. Parce qu'avant d'être à l'ESP, je suis professeur de tahitien et de français. Et j'ai enseigné au collège. Donc le dernier établissement du secondaire dans lequel j'ai enseigné, c'était le collège de Tevayuta. Donc au mois de mars, avril, notre responsable pédagogique, Annie Changasan, entre en contact avec moi et demande « Est-ce que ça te dirait ?» de participer à cette mini-conférence sur le centenaire de Saint-Gallen. Mais M. Lelu ne te laisse pas trop le choix. Il veut que tu y sois. J'ai dit, d'accord, pourquoi pas? Oui. Donc, et du coup, suite à cette demande, donc, vous allez comprendre également pourquoi l'intitulé de mon intervention, Victor Saint-Gallen, un Veïta, ça ne vient pas de moi, en fait, ça vient de mes élèves.
Donc, lors d'une de mes situations pédagogiques, donc, j'ai proposé un extrait de Les Immémoriaux de Victor Segalen, où les élèves étaient amenés à proposer des interprétations par rapport aux figures de style, compréhension qu'ils ont de l'extrait que je vais vous lire. Les étrangers blêmes, parfois si ridicules, ont beaucoup d'ingéniosité. Ils tatouent leurs étoffes blanches de petits signes noirs qui marquent des noms, des rites, des nombres. Et ils peuvent longtemps ensuite les rechanter à loisir. Et du coup, par rapport à cet extrait, je demande à mes élèves, qu'avez-vous compris? Parce que moi, je ne comprends rien du tout. Donc, émanent plusieurs interprétations. Monsieur, on parle de tatouage. Mais en fait, ce monsieur Segalen, il connaît d'abord notre culture pour se permettre de parler de tatouage. Parce qu'il n'avait pas vite compris, en fait, l'image par rapport à la feuille blanche, l'écrit qui s'est installé. Donc, au fur et à mesure où il y a eu débat entre eux, donc un groupe a sorti, ah, finalement, monsieur, l'auteur est en train de nous montrer que la mémoire, lorsqu'on n'en a plus, grâce aux popas, donc aux occidentaux, ils ont apporté l'écrit. Et pourtant, le tatouage existait déjà, mais on n'utilisait pas le tatouage de la même manière que les popas utilisaient l'écrit. Ils marquaient les mots. Il marquait le temps sur une page blanche. Oui, donc du coup, ils ont compris un petit peu l'idée principale à travers cet extrait que j'ai proposé. Et ça a un petit peu titillé leur curiosité. Je dis, mais monsieur, qui est ce Victor Segalen? Ah, mais je ne sais pas plus que vous. Hein. Donc, il faudra faire des recherches. Donc, c'était ma manière, en fait, de les amener à les rendre actifs eux-mêmes de leurs apprentissages. Donc, ils étaient proposés ensuite à effectuer des recherches sur la biographie, la bibliographie, et également les résumés de cet ouvrage de Victor Segalen, Les Immémoriaux. Et ensuite, j'ai distribué quelques extraits ciblés, bien évidemment, où il était question de faire allusion à la légende de la Brapa, où également on décrivait le guérisseur, pas au fait le guérisseur. En fait, ils se sont dit, mais monsieur, en fait, ce pop-a, cet auteur, Victor Segalen, c'est comme Beta, il devine à l'avance ce qui va se passer plus tard. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette intertextualité? Parce qu'en tant que professeur de Tahitien, j'ai été amené également à travailler un excès sur Beta. Du coup, bah oui, il est comme Beta, mais est-il réellement prophète? Est-il réellement devin? Donc, il va falloir poursuivre vos recherches vous-même. C'est ce qu'ils ont fait. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont répondu? Et monsieur, pour nous, parce que c'est un scientifique, ce n'est pas uniquement littéraire, parce qu'il connaît plein de choses. Et avant d'arriver à Tahiti, il s'est renseigné. Du coup, il connaissait beaucoup d'histoires. Et je lui ai reposé la question, du coup, peut-on le qualifier en tant que Vaita polynésien, ce Victor Segalen? Oui et non, monsieur, mais quand même, il est fort parce qu'il n'a pas vécu aussi longtemps à Tahiti. Mais on aime bien le lire au début, surtout quand il y a des expressions en tahitien. Je dis, ben oui, c'est vrai. Et ce livre, depuis, parce que moi, je l'ai découvert il y a 20 ans, lorsque j'étais au lycée, je considère, voilà, différemment ce livre de Segalen, non pas uniquement comme un ouvrage purement littéraire, avec des idéologies, des idées très pointues, mais aussi comme une littérature de jeunesse. Je pense notamment au public d'élèves que l'on a au collège, pour qui lire peut paraître difficile, fastidieux, alors que pour Segalen, insérer des mots, des expressions en langue tahitienne, certainement sa volonté était de préserver la langue avant tout. Mais en entendant mes élèves, mes collégiens, ils ont pris plaisir à lire, à s'identifier notamment, parce qu'ils retrouvaient des expressions qu'ils connaissaient. Même si on avait deux mots, trois mots, cinq groupes de mots, ils s'identifiaient directement. Du coup, dire aujourd'hui que
cet ouvrage de Victor Segalen est réservé à une certaine élite, oui et non. Parce que si on a une autre manière, une autre idée d'aborder la littérature, on peut le faire de cette manière, comme je l'ai vécu, moi, indirectement, inconsciemment avec mes élèves, parce que je ne pensais pas qu'ils allaient se l'approprier autant. Donc, du coup, à partir d'une question banale, est-ce que Veïta Segalen est un Veïta polynésien? Je ne sais pas, je n'ai pas su leur répondre. Mais ce qui était intéressant, il y a eu interprétation. Et pour moi, c'est l'essentiel en tant qu'enseignant du collège, notamment en enseignant le français. Parce que partir de quelque chose... On a tendance à dire aujourd'hui, « Oh non, mais ne prenez pas, c'est trop difficile. » Oui, on prend une œuvre dans son intégralité. Mais lorsqu'on maîtrise cette œuvre et qu'on est capable de prendre quelques extraits qui vont susciter, qui vont titiller cette réflexion chez les élèves, pourquoi pas? Donc, je n'ai pas non plus vous décrit le profil des élèves de la presqu'île. On va dire à 80%, ils sont issus de milieux défavorisés. Donc, la lecture ne fait pas partie de leur quotidien, à part la Bible. Donc, ils vont à la messe tous les dimanches, ils sont rapides à Tapati. C'est la seule référence. Mais pour tout autre ouvrage, c'est difficile de leur donner goût à la lecture. Et avec cet ouvrage de Victor Segalen, même si ça a été pendant une période de 3 semaines, c'est déjà ça. Donc, moi, aujourd'hui, je suis content parce qu'ils connaissent Victor Segalen. Donc, à la question qui m'a été posée, comment lire Victor Segalen aujourd'hui en Polynésie, avec pédagogie, certainement, avec beaucoup de plaisir. Donc, voici un petit peu mon intervention pour aujourd'hui. Et si je devais apporter mon avis personnel sur Victor Segalen, moi, je conclurai avec cette citation, donc, lors d'une correspondance avec Daniel Manfred, où il dit « J'ai essayé d'écrire les gens tahitiens d'une façon adéquate et ouvrir aux hommes l'accès à ce qui n'est plus. Il lui faut faire entendre par les mots et par des moyens littéraires ce que le peintre a donné à voir dans ses dessins, ses tableaux, sculptures. » Donc voilà, pour moi, Victor Segalen est un altruiste et quelqu'un d'empathie, de respectueux et qui aime, je pense, tous les peuples. Et il le marque, il le montre notamment en manifestant une certaine forme de respect, en s'accaparant lui-même leur culture, leur langue et même les sonorités. Moi maintenant, depuis que je lis et relis Victor Segalen, donc j'entends ces sonorités de la langue tahitienne et même des idéologies. Merci. Merci, Tonio, pour ton intervention. Je pense qu'on aura tous été sensibles à cette volonté de faire lire les immémoriaux ou certains passages et aussi d'avoir fait en sorte que les élèves fassent la démarche vers Segalen pour le comprendre un peu mieux. Merci beaucoup, Tonio. Alors, maintenant, eh bien, on va arriver à la deuxième lecture. Il s'agit de la première page des immémoriaux, le premier chapitre, donc le récitant, où il va être question de l'oubli des mots. Le récitant. Cette nuit-là, comme tant d'autres nuits si nombreuses qu'on y pouvait songer sans une confusion, Ter'i, le récitant, marchait à pas mesurés tout au long des parvis inviolables. L'heure était propice à répéter sans trêve afin de n'en pas omettre un mot, les beaux parlers originels. Où s'enferme, assurent les maîtres, l'éclosion des mondes, la naissance des étoiles, le façonnage des vivants, les rudes et les monstrueux labeurs des dieux maoris. Et cette affaire aux promeneurs de nuit, aux haerepo,
à la mémoire longue, de se livrer d'autel en autel et de sacrificateur à disciple, les histoires premières et les gestes qui ne doivent pas mourir. Aussi, dès l'ombre venue, les Herepo se hâtent à leur tâche. De chacune des terrasses divines, de chaque marae bâti sur le cercle du rivage, s'élève dans l'obscur un murmure monotone qui, mêlé à la voix houleuse du récit, entoure l'île d'une ceinture de prières. Or, comme il achevait avec grand soin sa tâche pour la nuit, nuit quinzième après la lune morte, voici que tout à coup le récitant se prit à balbutier. Il s'arrêta et, redoublant son attention, recommença le récit des preuves. On y dénombrait les séries prodigieuses d'ancêtres d'où sortaient les chefs, les Ar'i, divins par la race et par la stature. Dormait le chef Tavi du Marae Tautira avec la femme Taurua, puis avec la femme Tuiterei du Marae Papara. De cela naquit Teritahia Immarama. Dormait Teritahia Immarama avec la femme Tetuau, Meritini du Marais Vairao. De cela naquit. Un silence pesa. Avec une petite angoisse. Ah oui, que présageait l'oubli du nom. C'est mauvais signe lorsque les mots se refusent aux hommes que les dieux ont désignés pour être gardiens des mots. Terry eut peur. Il s'accroupit et, adossé à l'enceinte en une posture familière, il songeait. Merci Gaëtan pour cette lecture. Donc, et bien maintenant, c'est à moi d'intervenir. Alors, rassurez-vous, j'ai un texte dense et très long. Alors, je vais faire quelques petits sondages pour ne pas vous lasser, pour ne pas vous endormir et pour qu'il y reste du temps pour notre discussion. Alors, d'abord, à propos de... donc, ça va être un peu décousu, hein, parce que je ne peux pas tout dire. Hein. Donc, à propos de l'insuccès de l'ouvrage à sa publication, je vais vous lire deux petites notices qui ont été écrites à propos des immémoriaux. Immoralité révoltante. On est en 1907, hein, bien sûr. Pastiche du livre de la Genèse, clame un critique. Les chants maoris interviennent à chaque page, inspirant au lecteur un ennui. Seule l'écrivaine Rachild, donc vous connaissez peut-être le nom, Rachild, que l'on a souvent associé aux excités des années folles, écrit « C'est le roman d'une nation, à la fois naïf, douloureux et malicieux. » Rachild. Alors, vous connaissez sans doute aussi la phrase de Loti, qui lit les Ségalènes avec sa propre nostalgie. Alors, je vais évoquer quelques points sur les lectures transhistoriques qui ont été faites. Notre ami Ricardo a parlé de Henri Bouillet, qui a été le premier grand biographe de Loti, qui est mort, de Ségalène, qui est mort il n'y a pas très très longtemps, et qui a vraiment ouvert par ses recherches et par ses pseudonymes, parce qu'en fait il écrivait aussi sous d'autres pseudonymes, les immémoriaux. Alors, ce qu'écrit donc au début des années 60 Henri Bouillet à propos des immémoriaux, un chant de révolte contre la morale de son enfance, l'hymne à Lazare ressuscité sous la triple inspiration de Rimbaud, Gauguin et Nietzsche. Donc il rappelle ce que Ricardo a dit aussi, donc toute l'influence de Salambo, de Flaubert dans l'évocation historique. Donc, j'arrête pour Bouillet. Maintenant, Henri Lavandès. Je voulais parler d'Henri Lavandès, car c'était un ethnologue des années 60 qui a recueilli des légendes donc aux Marquises dans les années 60. Et son épouse, Anne Lavandès, a été la première directrice du musée Traité des Îles.
Henri Lavondès a été dans mon jury de thèse en 1986 à Paris. Et Anne vit toujours, elle est seule maintenant, Henri est décédé en 98, je crois. Anne vit toujours à Uzès, au Mas des Briques, et c'est vraiment une femme merveilleuse. Alors, Henri Lavondès juge les immémoriaux à l'aune de son boulot d'ethnologue. Donc, c'est intéressant, parce que très souvent, hein, on critique les écrivains quand ils se mêlent de culture. Alors, Henri Lavondès écrit « C'est une œuvre essentielle que les immémoriaux. L'autre est au fond de moi. » On revient à ce que disait Moëtaille tout à l'heure. « La découverte de soi par la découverte de l'autre. » Pour Lavondès, hein, c'est donc important, puisque pour lui, la vision que Ségalène offre de la Polynésie est une vision recevable, il dit. Recevable. Il en a perçu Ségalène à cohérence, et il a fait l'effort documentaire entre l'information livresque et l'expérience de Ségalène au contact des Polynésiens, et notamment des Marquisiens. Quelques erreurs minimes note également Lavondès. Et il termine, c'était lors d'un colloque en 78, il termine en disant, ce roman n'est pas un cours d'ethnologie, mais c'est parce que la civilisation originaire meurt que l'ethnologue permet d'en donner des images reconstituées et parfois aléatoires. Deux mots aussi sur Jean Semla, qui était un ami très proche, qui a été journaliste à la Dépêche de Tahiti, qui est décédé en 2007, pour avoir trop fumé. Alors, où est son livre ? Ricardo en a parlé tout à l'heure. Alors, il me reste encore 3 exemplaires de ce livre qui a été édité chez Hairepo en 86. Et donc, j'avais demandé à Semla de faire une lecture de 86 des immémoriaux. Alors là, je pense que c'est intéressant, je vais m'y attarder un tout petit peu plus. Alors, 86, c'est peu de temps après la condamnation des essais nucléaires par l'Église protestante, et c'est au lendemain du statut d'autonomie interne. On est dans cette perspective historique, en pleine renaissance culturelle, alors que les questionnements politico-culturels s'étendent. Semla estime que l'actualité de l'écrivain est manifeste et qu'au moment où une nouvelle génération de lecteurs commence à mettre en question bien des textes canoniques, les textes haïtiens de Ségalène font partie des exceptions. Et c'est bien la question de ce soir. Semla associait Ségalène, la quête des origines, le rapport difficile à la modernité, chrétienne à l'époque du roman, avec la recherche d'une parole authentique, les beaux parleurs, les beaux parlers originels. Il pensait même que Ségalène avait maintenu une parole, celle des généalogies et des mythes, qui pouvait être utilisée un temps par les Polynésiens dans leur propre réappropriation culturelle. Donc Ségalène devenait actuel malgré sa profonde inactualité. Semla intitulait d'ailleurs l'un des chapitres de son livre « Roman d'une nation, roman d'une parole ». Il situait bien Ségalène dans ce mouvement de fond, à la fois culturel et politique, parce que Ségalène s'est intéressé aux hommes et à la culture, et il est allé à eux en s'effaçant devant la différence. Et c'est ça l'exotisme de Ségalène, c'est s'effacer, c'est la diversité, c'est mettre en avant la diversité. Voilà pour Semla. Un mot d'un colloque qui avait été organisé par Paul Laudon en 92 au musée, et une intervention de Louise Pelzer qui avait déclaré « Ségalène a été sans doute à l'extrême de ce qu'il était possible d'imaginer par un étranger. » C'est un hommage nuancé, mais c'est un hommage fait. Alors, on a parlé de François Chin, je n'en reparlerai pas. Je prendrai 2 exemples, un Antillais et un Marocain. L'Antillais, c'est Édouard Glissant. Édouard Glissant, qui a écrit « Introduction à une poétique du divers » et qui reconnaît à Ségalène une poétique de l'ouverture à la diversité, proche des préoccupations actuelles sur le multiculturel, l'interculturel, voire le postcolonial. Et il écrit, Édouard Glissant, « Honneur et respect à Ségalène, c'est le premier qui a posé la question de la diversité du monde. »
Et l'autre, c'est l'écrivain Abdel Khatibi, qui est décédé maintenant, dans un livre dont le titre m'échappe, je crois que c'est « Figure de l'étranger dans la littérature française », je crois, écrit. C'est le, Khatibi est un jeune adulte, et il a lu Ségalène au Maroc, et c'est lui qui lui a permis une libération personnelle. Et il pose la question, Khatibi, comment fonder l'étranger en moi. Et puis, on a parlé donc de 2018 et du colloque qui a eu lieu à Cerisy, donc dans la perspective de commémoration sur la mort de Ségalène, donc un colloque avec des intellectuels d'Europe, d'Asie, beaucoup d'Asie, d'ailleurs beaucoup, parce que beaucoup de Chinois travaillent sur Ségalène, hein, c'est étonnant, hein, il n'y a pas du tout de rejet non plus. Et donc, dans les actes du colloque, on a une réflexion tout à fait intéressante sur l'essentiel de Ségalène. Alors, quelques mots maintenant, des pistes d'exploration des immémoriaux. Première piste, je pense que les immémoriaux sont un piège à lire. C'est-à-dire que chez Ségalène, je pense que rien n'est évident. Et tout peut être étudié, analysé de différentes façons, on va dire. Et donc, la petite réponse que je donnerai là, par rapport à la nature du texte des immémoriaux, c'est qu'il faut, pour étudier les immémoriaux, associer toutes les méthodes critiques, littéraires et non littéraires. Et j'en veux pour preuve la phrase de Roland Barthes, que j'ai citée dans l'article que j'avais fait pour Tahiti Pacifique la semaine dernière. Un texte est fait d'écritures multiples, issues de plusieurs cultures, et qui entrent les unes avec les autres en dialogue, en parodie, en contestation. Mais il y a un lieu où la multiplicité se rassemble, c'est le lecteur. Le lecteur est l'espace même où s'inscrivent, sans qu'aucune ne se perde, toutes les citations dont est faite une écriture. Donc l'unité du texte, c'est vraiment le lecteur qui l'a donné. Deuxième point, deuxième entrée très rapide. Pour moi, les immémoriaux sont une expérience littéraire et une expérience sur la langue. Donc on a beaucoup parlé de cet aspect des choses, donc je ne vais pas trop revenir dessus, mais il a voulu, Ségalène, avec la langue qu'il crée d'une certaine manière, qui n'est plus tout à fait le français, qui n'est pas non plus le tahitien, d'une certaine manière, il a créé une sorte d'interlangue, là, dans laquelle il fait tahitien. Alors, bien sûr, c'est un parti pris, hein, mais c'est intéressant parce que les voies narratives qu'il emploie, les points de vue, le lexique, les phrases, le détournement syntaxique qu'il fait, etc., font de Ségalène l'œuvre d'art, l'œuvre formelle de l'art. Parce que le contenu, la résistance à l'évangélisation, il y a eu quantité d'autres romans qui ont été écrits, et même Montaigne, dans les essais, évoque aussi cette question-là. Donc ce n'est pas le contenu tellement qui est original, mais je pense que c'est ce jeu de mimétisme, de réécriture qui est intéressant dans ce roman. La critique Marie Dollet écrit « Ségalène prend la succession des récitants polynésiens et assume la tâche qu'ils ont dû abandonner, parce qu'ils ont disparu, tout simplement. L'écrivain parvient à creuser en français un espace où résonne la langue sacrée de la Polynésie. Il réinvente le parler obscur des incantations cadencées. Il invente une langue étrange. » Le troisième point, la troisième entrée que je voudrais un petit peu développer, au fond, c'est l'idée qu'à travers les immémoriaux, on peut s'intéresser à la question de la création littéraire. On sait que le secret est intime à la création. Hein. Mais, concernant Ségalène, du médecin qui fait sa thèse sur les écrivains et les synesthésies, du médecin qui observe la maladie, c'est-à-dire la faille, la cassure chez le patient, celui qui suggère le dédoublement pour comprendre l'autre, bovarisme littéraire, celui qui attribue à la perte des mots l'initiation d'une œuvre,
eh bien là, il y a tout un faisceau d'indices où transposition et transmutation révèlent une démarche de création que je trouve tout à fait originale. Et donc, l'écriture de Ségalène, les immémoriaux notamment, est bien la scène où se déploie ce secret. Et finalement, cette recherche des signes parleurs, de ces mots tatoués, écrits, eh bien pour moi, cela fait des immémoriaux un roman sur l'écriture, sur la recherche de l'écriture, et donc sur la littérature. Donc si on s'intéresse, au fond, à l'une des données, l'une des définitions possibles de la littérature, eh bien les immémoriaux permettent d'y entrer. Des mythes initiaux à la littérature, ce livre emprunte le chemin que vont emprunter les peuples vers l'écriture et la littérature écrite. Heurts et combats lorsque la culture passe de l'oralité à l'écriture. Et entre le déclin du mythe et la naissance de la littérature, il y a l'oubli des mots. L'oubli va fonder l'écrit, mais l'écriture est aussi la cause de l'oubli. Peut-on alors recouvrer les mots anciens ? Les mêmes ou les différents ? Est-ce que le temps existe ? Est-ce que le temps fait passer les mots ? Dans l'oubli des mots, c'est le processus de fondation de la littérature qui est posé. Voilà, donc en gros, bon, là, bon, j'accélère. Hein. Donc voilà, donc une idée au fond sur le processus de création littéraire. Deux mots aussi rapidement. Si on, ça va être très court, ça. Si on lit les immémoriaux et qu'on s'interroge, comment Ségalène, dans les immémoriaux, parle de la femme ? Et comment parle-t-il de la société traditionnelle ? Eh bien, on peut se poser la question, et d'ailleurs, dans d'autres écrits, Ségalène le définit très bien, hein. Il n'aime pas le peuple, il est très élitiste, Ricardo l'a dit tout à l'heure, et d'une certaine manière, bah, la femme, il faut qu'elle soit là pour le plaisir de l'homme. On ne parle pas de son propre plaisir, même si elle n'est pas violentée dans les immémoriaux. Donc, si on s'appuie sur nos idées contemporaines, sur l'égalité, Ségalène n'aimait pas l'égalité homme-femme, parce que ça tuait la diversité. Donc, il ne fallait pas que les hommes et les femmes soient égaux. Donc, si on s'interroge, à la lumière de notre actualité, de notre modernité, sur la vision de la femme chez Ségalène, c'est une œuvre d'art, bien évidemment, la femme. Hein. Mais n'empêche qu'on est peut-être un peu mal à l'aise aussi, parfois, dans cette lecture. Et enfin, quand on voit la société décrite par Ségalène, et dans d'autres textes aussi, il n'y a pas l'once d'une critique hein, des sociétés qui étaient quand même très violentes, etc. etc. Alors, c'est pour ça qu'au fond, je lis toujours les immémoriaux sur deux registres. C'est-à-dire, je suis la logique de Terhi et je suis la logique de Paufail. Alors, Terhi, Paufail plutôt, d'abord, c'est la résistance, le Herepo qui refuse d'évoluer, hein, qui est fidèle à ses valeurs, en quelque sorte, hein, et qui ne veut pas changer et qui va être rejeté quand la nouvelle religion s'imposera et qui sera condamné à courir sur le récif et à mourir. Hein. C'est donc le prêtre païen qui refuse toute compromission avec le nouvel ordre. Et Terhi, l'élève à Herepo, eh bien, c'est celui qui change de logiciel. C'est-à-dire c'est celui qui va progressivement se rapprocher des missionnaires jusqu'aux promesses qu'on lui fait de devenir d'abord diacre de seconde zone, là où je ne sais pas, de second degré plutôt, voilà, etc. Et donc, au fond, il devient le diacre, ça devient le diacre Jacobin, hein, il change de nom, hein, bien sûr. Et donc, c'est la transition culturelle, on va dire. D'une certaine manière, Terhi, il montre l'adaptabilité à une modernité. Tandis que Paufail était celui qui affrontait et qui refusait. Voilà. Alors, qui a raison ? Le résistant ou l'opportuniste ? Donc, moi, je lis toujours les deux, les immémoriaux, donc avec un œil sur Terhi et un œil sur Paufail. J'arrive donc à ma conclusion. Donc j'espère que je n'ai pas été trop long. Ségalène, qu'apporte Ségalène aujourd'hui à la Polynésie ? Alors, dans ce même colloque dont je parlais tout à l'heure, Bruno Sora avait évoqué Ségalène et Gauguin, et il avait dit, donc en 1992, hein, c'était, il avait dit
les intellectuels maroïs aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus de culpabilité à s'intéresser à la religion traditionnelle. Il n'y a pas les païens, entre guillemets, et les chrétiens. Il y a ceux qui ont une spiritualité et ceux qui n'en ont plus. Donc le curseur avait été déplacé. Donc ça, c'était l'opinion de Bruno Sora en 92. Deuxième interrogation, ce roman entre-t-il en concurrence, en complémentarité ou en conflit avec la littérature autochtone qui se développe depuis surtout les années 80 en Polynésie? Alors, parmi la grande centaine d'ouvrages écrits par les Polynésiens, un seul traite explicitement et totalement de l'arrivée des missionnaires. Vous avez reconnu la lettre à Puutaveri de Louis Spelzer. Donc c'est publié en 1995. Alors, dans l'ensemble, la littérature autochtone est plutôt identitaire et la critique porte davantage sur la colonisation, les années nucléaires, enfin, etc., et une recherche d'identité. Dans le roman Lettre à Puutaveri, la scène missionnaire est perçue avec les yeux d'une petite fille, Louis, qui allie un mélange de curiosité, d'attirance, de fascination infantile, et lorsque l'enfant exerce son esprit critique d'adulte, avec vigilance, voire une certaine résistance. Et comment exprimer proximité et distance par rapport aux missionnaires? Telle est donc, d'une certaine manière, la problématique de Louise Pelzer. Et une question, pourquoi les écrivains polynésiens évoquent-ils si peu Ségalène, finalement? Alors, il y a une réponse dans la thèse de Jean-Luc Picard, qui est une excellente thèse, je trouve, dans sa thèse qui a été éditée, qui s'appelle « Maui, Tumu et Hutupainu, la construction identitaire dans la littérature contemporaine ». Il écrit « L'absence de référence à Ségalène peut étonner. C'est peut-être une trop grande proximité qui le fait négliger par ceux qui lui sont redevables. Pour affirmer une identité, il faut une véritable opposition. Or, explique Picard, Ségalène, d'une certaine façon, a ouvert la voie à l'ancienne Polynésie et à la critique du modèle missionnaire. C'est en effet plus facile de contester Loti. Donc, comme je disais tout à l'heure, Ségalène est un homme de son temps, et donc il n'est ni très démocrate, ni très féministe. Et donc, ma dernière phrase sera simplement de vous dire que, bon, moi, j'ai été bercé par le lait de Ségalène depuis presque 50 ans. Et pour moi, c'est vraiment une œuvre littéraire originale, un témoignage ethnographique de qualité. Mais nous vivons aussi dans une autre époque. Aujourd'hui, la question religieuse n'est plus dominante dans la Polynésie d'aujourd'hui. C'est les questions plutôt de l'avenir, de la dépendance, de la souveraineté. C'est la question de la société qu'on souhaite, qu'on désire. C'est la question de l'écologie. C'est la question du rapport à la culture, etc. Ce sont ces questions-là. Mais d'une certaine manière, si on supprime le mot missionnaire, qu'on le remplace par d'autres d'aujourd'hui, on se rend compte que Ségalène est tout à fait actuel. Et on peut. Et voilà donc un petit peu ce que je voulais dire en conclusion. Donc, conclusion de la conclusion, Ségalène, même pas mort en Polynésie. Alors, et avant. Oui, on avance. Avant d'écouter Flora qui va nous présenter sa surprise, une petite lecture, Gaëtan, la dernière, dans le chapitre oro des immémoriaux. Ah oui, il faut accélérer. Des battements sourds, roulant dans les rumeurs, grondèrent. Les tambours appelaient aux danses. Un frémissement courut dans toutes les cuisses à leur approche. Leur sonneur, vieillard aux yeux morts, palpait avec adresse du bout des doigts les peaux de requins tendues sur les troncs creux
et leurs mains écaillées voletaient comme de jeunes mains vives sur un ventre d'épouse. Aussitôt, les couples se dressèrent. Les femmes, poitrines échevelées sous les fibres jaunes du reva-reva, tempes cerclées de couronnes odorantes, avaient noué étroitement leurs hanches d'une natte mince afin d'étrangler sous le torse immobile ces tressaillements dont sursautent les genoux. Les tannées se paraient de coquillages miroitants, d'agrafes nacrées, de colliers mordant la nuque. Ils tenaient leur souffle, tendaient les reins et écarquillaient leurs oreilles. Un coup de tambour les décocha. Tous, d'abord tournés vers le meneur de danse, imitaient ses gestes, dépliant les bras, balançant le corps, inclinant la tête et la relevant avec mesure. Puis, à tout petit pas précis et vif, comme s'ils piétinaient sur les orteils, ils approchèrent jusqu'à se flairer. Les visages restaient impassibles, les paupières des femmes baissées. Il convient pour un temps de cacher ses désirs. Brusquement, sur un baté bref, tout se tut. Tout cessa. Une femme sortie de la foule, ajusta ses fleurs, secoua la tête pour les mieux fixer, fit glisser sa tapa roulée et cria. Les battements recommencèrent. Jambes fléchies, ouvertes, désireuses, bras ondulants jusqu'aux mains et mains jusqu'au bout des ongles. Elle figura le hori, viens t'enlacer vite à moi. Ainsi l'on répète, avec d'admirables jeux du corps, des frissons du dos, des gestes menus du ventre, des appels de jambes et le sourire des nobles parties amoureuses, tout ce que les dieux du jouir ont révélé dans leurs ébats aux femelles des tannées terrestres. Et l'on s'exalte en sa joie au rang des êtres tapous. Alentour, les spectateurs frappaient le rythme à coups de baguettes claquant sur des bambous fendus. Les tambours pressaient l'allure. Les poings sonnant sur les peaux de requins semblaient rebondir sur la peau de femme. La femme précipitait ses pas. Des sursauts passaient. La foule, on eût dit, flairait des rudes et brûlait. Les reins, les pieds nus, s'agitaient avec saccade. Les hommes enfiévrés rampaient vers des compagnes. Parfois, les torches, secouées, jetaient en pétillant un grand éclat rouge. Leur lueur dansait aussi. Soudain, la femme se cambra. Disparue, des gens crièrent de plaisir. Dans la nuit avancée, des corps se pénétrèrent. Les flammes défaillaient. L'ombre s'épancha. Et donc, nous avons une petite surprise aujourd'hui, avec une intervention de Flora qu'elle va nous préciser. Oui, une intervention qui n'était pas prévue, sinon que depuis hier après-midi. Oui. Je voudrais juste dire un mot à propos des immémoriaux. Les premiers étudiants à Montpellier en 1962, nous nous sommes donné les livres suivants à lire absolument. Les immémoriaux, La Grande Plantation et Noah Noah de Gauguin. Parce que c'était des auteurs, avec leurs livres, qui, pour nous, qui étions exilés, loin de notre Polynésie, nous permettaient de... C'était nos cordes avec lesquelles on pouvait se balancer et revenir dans le passé, ou chez nous, avant de retourner en France. Voilà. C'était en 1962, oui. Alors, pour en revenir à aujourd'hui, alors, pour clore aussi sur tout ce que j'ai entendu, nous avons entendu sur les immémoriaux, je prendrai effectivement, je citerai ce que François Cheng, le poète dont on a fait mention à plusieurs reprises, a dit, lui qui se sentait très proche de Ségalène, même à 100 ans de différence, avait dit que, à ses yeux, le plus haut message de Ségalène, c'est « sachant accueillir le mystère de l'être ». L'inconnu est ce qui advient, qui est toujours déjà là, mais toujours en avant de nous.
Et cet inconnu qui advient n'est autre que notre propre mystère. Alors ici, ce sont deux livres pauvres qui existent uniquement en 4 exemplaires. Un pour le musée où il est, ou la bibliothèque où il sera exposé. Un pour le poète qui a écrit. Un pour l'artiste qui a produit une œuvre. Et un qui va faire le tour des bibliothèques, enfin, en fait, qui fait le tour du monde, pas seulement de la France, mais du monde. Donc, ils existent à plusieurs milliers d'exemplaires. Et c'est une création d'un professeur de littérature à la retraite actuellement, critique littéraire, poète lui-même, éditeur, donc Daniel Levers. Donc, l'année dernière, il m'avait envoyé demander d'écrire sur les immémoriaux. Donc, il me fallait trouver un artiste sur place. Alors, moi, j'ai été au plus simple pour moi. Je me suis adressée à Biri Taimana et à Tokai. Alors, voici donc ce que donnent ces livres pauvres. Parce que je suis un peu gênée. Voilà. Qui existent donc en 4 exemplaires qui ne sont pas forcément des reproductions exactes de chaque numéro, mais les nuances sont admises et même conseillées. Et donc, c'est autour donc de cette œuvre de Viri que je vais écrire. De ce qu'il m'a envoyé que je vais écrire, et voici ce que j'ai écrit. Ouvai oi, mamou, qui es-tu? Chut, silence. Mon nom est Mou. Je ne suis pas mamou. Le silence au corps d'argile. Je suis mou, doigt sur la bouche, silencieux en dolérite, indistinct dans le basalte noir, dans le souffle des dieux aux yeux mi-clos et la sonorité des mots à la croisée des langues perce, font revenir en mémoire la lumière de la pensée, la réflexion, la conscience. Je suis mou, silence conscience de ma présence au monde, de l'avancée, de l'investissement et de la résistance en mon corps ventru de lumière. Je ne suis pas des immémoriaux, le spectre et de la mémoire, le fantôme des promeneurs de nuit. Je suis mou, silence de quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui se tait. Silence qui ne tait pas mes mots. Silence qui me parle. Je suis mou de la parole pendant que je fais silence. Silence de la mémoire tabouée. Silence de la parole confisquée. Reconquise, ressourcée par les créateurs, écrits, art et poésie. Je suis mou, silence pensant. Mou, le silencieux, n'est pas morosité. Mou, silence, ne fait pas perdre le sens ni l'essence. Mou n'est pas rupture. Mou est accord, continuité entre silence et parole. Mou est vie, mouvement intérieur en phase avec le temps pour reprendre la mer. Je ne suis pas mamou. Le silence imposé à la mémoire d'hier. Mon nom est mou. Je profonde, je m'étends, je m'abisse. Je suis mou, silence. Mou, c'est l'histoire. Mon histoire d'aujourd'hui. La seconde œuvre, qui sont donc exposée à partir du 5 décembre à l'Université de Brest, dans le cadre de l'exposition sur l'art contemporain polynésien et de Tokai,
et celui-ci. C'est mon exemplaire qui existe donc en quatre exemplaires différentes. Dans la quiétude d'un instant suspendu, rayonnement lumineux du soleil couchant, traînée tessant de l'arc-en-ciel, des plasticiens, poètes, à l'instar de Théry, on appelle à l'aurore, à la conscience, à l'imaginaire, prendre la mer, être ce que l'on est, ce que l'on pense que l'on est. Le rose magenta vire, le sillon se joue de la mer bleu nuit, des feux du couchant, tempête, orage, déferlante. Le sillon se joue du besoin d'exister, de la manière ilienne d'être au monde, libre de penser, de rêver, de projeter, d'imaginer. L'œuvre, cheminement intérieur, coloré et moderne, des bouleversements, la synthèse, est une impression acrylique de la Taouvala, d'où tout part, pandanus tressé, tel un pont entre passé et présent, d'un nouvel équilibre, rythme et harmonie, à l'œuvre, pérennité à l'homme. Par aquarelle, invention de l'esprit, création de l'artiste, du ciel éclatant, des reprises épurées, colorées, et des plumes de pectoraux, ornements de taoumi, des héros conquérants. Enfin, ni commencement ni fin, cercle et rond par pressage, empreinte de sections, de cannes de bambou, de vivo, motif de décor de tapas, lieu de vérité, où tout revient de l'implacable roue. Entre ciel et mer, calme et tourmente, entre couleurs, formes, figures, matériaux et techniques, en diverses parties des immémoriaux, tout est fibre. Tout fait lien social, culturel, spirituel. Omniprésence du battoir à Tapa de Tahiti, de ses stries spécifiques, ancrées, pressées, débordées sur chaque page. Véritable circumnavigation océanienne dont l'impression qui finalise l'œuvre expose l'Odyssée. Maruru. Voilà, donc les interventions sont achevées maintenant. Et j'espère qu'on a un petit moment pour dialoguer, pour pouvoir échanger. N'est-ce pas, Mylène, on a un petit moment? Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Alors, voilà, le micro peut se promener. Oui, merci beaucoup. Je voudrais apporter une contribution complémentaire. Donc... ce début d'année, au musée du Quai Branly, a eu lieu une exposition, M. Titouan Lamazou, à laquelle sont venus assister un grand nombre de personnes, dont le député Moetei Boderson et la députée Maïna Sage, qui ont été les deux personnalités politiques qui sont venues à cette exposition. Et si vous permettez, je vais vous lire le petit extrait qui est au dos du dos, qui explique la genèse de cette exposition de Titouan Lamazou et qui a donné lieu également à ce livre que vous pouvez trouver. J'imaginais une exposition sous forme d'installation, un cabinet de curiosité situé dans les îles de l'océan Pacifique. Elle invoquerait mes inspirations de jeunesse, les écrits de Victor Segalen et d'Edouard Glissant,
de Robert Louis Stevenson et de Jack London, la peinture de Paul Gauguin, qui tous ont sillonné ces lointains en leur temps. Elle inviterait des écrivains et artistes d'aujourd'hui dont l'œuvre fait écho en moi, tels que Patrick Chamoiseau, Chantal Spitz, Titaoua Péou, Jean-Claude Tellier-Reuter-Hey, Romuald Azoumé, Peter Dogg, des philosophes, des chercheurs qui ont pensé l'histoire et le présent de ses ailleurs, l'anthropologue Epeli Hauhofa, l'historienne Marie-Noëlle Autineau-Garanger et l'archéologue Pierre Autineau-Garanger. Enfin, placée sous le signe des étoiles, cette exposition chanterait la nature et la biodiversité à laquelle l'être humain appartient. Je voudrais également vous lire le courrier que le Premier ministre, M. Édouard Philippe, a adressé à M. Titouan Lamazou, après avoir donc reçu ce livre. Monsieur Vernaudon m'a remis votre ouvrage, L'errance et le divers. Je tiens à vous remercier et à vous en féliciter très sincèrement. Vos escales océaniques nous invitent à retrouver la lenteur du voyage et de la rencontre, en jetant par-dessus bord tout ce qu'il y a de médusé et de rance dans notre représentation de l'altérité, pour paraphraser Ségalène. Les femmes et les hommes que vous peignez avec ces couleurs chaudes, qui rappellent Gauguin, dégagent une humanité lumineuse. Votre art crée en nous une émotion immédiate et appelle une posture d'humilité devant la somptuosité de la nature. Les entretiens et les textes que vous rassemblez, notamment celui de Melville sur les Français, m'ont aussi beaucoup intéressé. Ils proposent un cheminement nécessaire et très pédagogique. Vous nous prouvez, encore une fois, que l'art est la plus belle manière d'accompagner ou de devancer certaines prises de conscience politique. Signé Édouard Philippe. Voilà, donc je pense que c'est un hommage qui montre combien effectivement ces divers écrits, donc de Ségalène notamment, mais également d'Herman Melville, de Stevenson, et puis après de Chantal Spitz, de Titaoua Péou, de Jean-Claude Tellier-Reuter-Hey, pour ce qui est de la Polynésie, et dont a pris connaissance le Premier ministre, lui ont permis de faire la conclusion qu'il a faite dans ce courrier, à savoir qu'il y a des prises de conscience politiques à faire. Et je voudrais également dire que cette exposition qui va être transportée ici en Polynésie en 2020 a été, je pense, la source qui a donné la force à la députée Maïna Sage d'intervenir à l'Assemblée nationale pour proposer un amendement à la loi statutaire. Bon, certains d'entre vous ne doivent pas très bien comprendre de quoi je parle, mais vous ferez des recherches. Il se trouve qu'elle n'était pas censée présenter cet amendement, mais elle l'a fait. Et elle a été suivie immédiatement par la totalité des intervenants de tous les autres groupes politiques, de l'extrême gauche à la droite. Et donc, c'est comme ça que l'intitulé du. Enfin, l'article premier, au lieu d'être rédigé La République reconnaît la contribution de la Polynésie française à un, est devenu La République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française, ce qui change beaucoup de choses. Enfin, je voudrais vous lire, je m'excuse d'être un petit peu long, mais le texte que j'ai pour ma part eu l'occasion de présenter lors d'une conférence qui a eu lieu le 2 octobre à Paris, organisée par la FEDOM, sur le thème du tourisme de sens, et où je me suis inspiré pour développer ce thème
avec donc le souci de montrer que la Polynésie et le développement du tourisme polynésien ne pouvaient réussir que si nous atteignions l'authenticité polynésienne, en me basant sur un extrait de l'essai sur l'exotisme, qui est de Victor Segalen, dont je vous lis les quelques phrases sur lesquelles je me suis appuyé. Avant tout, déblayer le terrain, jeter par-dessus bord tout ce que contient de médusé et de rance ce mot d'exotisme. C'est le passage que le Premier ministre avait repris dans son courrier. Puis, dépouiller ensuite le mot d'exotisme de son acception seulement tropicale, seulement géographique. L'exotisme n'est pas seulement donné dans l'espace, mais également en fonction du temps. Et en arriver très vite à définir, à poser la sensation d'exotisme, qui n'est autre que la notion du différent, la perception du divers, la connaissance que quelque chose n'est pas soi-même, et le pouvoir d'exotisme qui n'est que le pouvoir de concevoir autre. L'exotisme n'est donc pas une adaptation, n'est donc pas la compréhension parfaite d'un hors soi-même qu'on étreindrait en soi, mais la perception aiguë et immédiate d'une incompréhensibilité éternelle. Partons donc de cet aveu d'impénétrabilité. Ne nous flattons pas d'assimiler les mœurs, les races, les nations, les autres, mais au contraire, éjouissons-nous de ne le pouvoir jamais, nous réservant ainsi la perdurabilité du plaisir de sentir le divers. Et donc j'en avais conclu que pour ce qui est du tourisme, le voyage doit plus que jamais, ça c'est moi ça, avant c'était Segalen. Le voyage doit plus que jamais être un pèlerinage, pardon. Plus que jamais, dans un monde qui perd du sens, le voyage doit être l'occasion de vivre une expérience autre, une occasion de rencontrer le divers, le différent par rapport à notre quotidien, tant sur le plan culturel qu'environnemental, mais peut-être même aussi sur le plan philosophique et spirituel. Le voyage doit être l'occasion de découvrir d'autres sensations, visuelles, olfactives, gustatives, sensuelles, auditives, de rencontrer des étrangers, mais tout en découvrant leur culture exotique, leur environnement naturel riche de ses spécificités endémiques, surtout ressentir avec eux combien l'homme n'est qu'une poussière dans l'univers, mais une poussière qui est liée à la nature, au cosmos, à Gaïa, à toutes les autres hommes et femmes par un lien de fraternité, de communion spirituelle, une sensation que les Polynésiens ont appelée le mana, et qui se vit encore aujourd'hui avec puissance et jouissance dans toutes nos îles de l'Océanie. Le voyage doit plus que jamais être un pèlerinage pour se redécouvrir soi-même par confrontation avec l'altérité, ce que Jacques Chirac avait si bien compris. Lui qui laisse comme principal legs aux Français et à la France éternelle l'amour de l'altérité, l'amour de l'humanité, de la fraternité universelle, le respect des autres, de tous les autres, à commencer par les plus humbles et les plus modestes des Français, que d'aucuns considèrent comme des ploucs ou illettrés de province, ou des sauvages et analphabètes d'outre-mer, ainsi que le respect des autres cultures et civilisations, à commencer par le respect de la culture des peuples dits premiers, que le président Chirac, lui, préférait qualifier de primordiaux, tant il percevait intuitivement que ces derniers avaient une part de sagesse et de bonheur à partager avec tous. Les Polynésiens, comme les Mélanésiens et tous les peuples du Pacifique, ont conservé en eux une part de cette sagesse ancestrale qui leur permet de vivre pleinement, joyeusement, malgré les malheurs, les deuils, les souffrances. Et ils sont prêts à en partager le secret avec tous les autres peuples du monde. Voilà, merci. C'était merci, la présentation à Paris. Merci, merci pour ton intervention, Christian. D'autres questions ? Un petit commentaire. Ce qui me surprend un peu dans ces discours très, très divers, sur, c'est que personne n'évoque vraiment la charge poétique des immémoriaux. Moi, quand je l'ai lu,
jeune étudiant en France dans les années 50. Je viens de le relire il y a un mois, par pur accident d'ailleurs. Je trouve que c'est un ouvrage, c'est de la poésie en prose. Et je le vois essentiellement sous cet angle. C'est la première observation. Deuxième observation, si on voulait résumer, parce qu'on parle des immémoriaux, si on voulait parler de son actualité, de son intérêt, le résumer, comment pourrait-on résumer les immémoriaux? Ben, je crois très simplement, la religion a tué la culture. Quatre mots, je pense que c'est un résumé acceptable. Et ce résumé, d'ailleurs, a longtemps été porté, puisqu'il n'a jamais été remis en cause pendant très très longtemps. Pendant toutes les décennies du 19e siècle, la prééminence de la religion sur la culture, qui était assez dévalorisée, assez méconnue, n'a jamais été remise en cause, n'a jamais été vraiment contestée. J'ai assisté en 1963 à la conférence extraordinaire du pasteur Bögner qui a remis l'église tahitienne entre les mains du pasteur Rapoteau. Il n'a jamais été question de la culture et la religion était considérée comme elle l'est partout. Finalement, c'est le même message partout. Ce n'est que depuis, disons, quelques années que la différenciation se fait avec un contenu un petit peu équivoque. Dernière observation, l'occasion de parler de Ségalène, qui est très peu connue, qui est très peu lue, et qui va toujours rester, je pense, assez peu connue et assez peu lue, est l'occasion de mettre en valeur et de rappeler la contribution importante des médecins dans la littérature. Il y a, bien sûr, Ségolène. Je ne parlerai pas de Céline, puisqu'il n'est pas... Il n'a rien publié sur Tahiti, encore que sa thèse historique soit admirable, soit la vie du médecin hongrois Ignaz Semmelweis. Mais je voulais dire un petit mot aussi d'une personne qui est aussi méconnue, qui n'est pas lue, qui a écrit un ouvrage qui est un peu dans la continuité culturelle et peut-être poétique. C'est Jean Reversi, qui a écrit un ouvrage admirable, Le Passage, qui a eu le prix Renaudot en 1957, qui était totalement méconnu sur place, parce que le message, disons, esthétique n'a pas été bien reçu, parce que c'est en quelque sorte la description d'un monde qui meurt progressivement, qui se détériore, qui s'abîme. Donc, voilà, je pense que M. Reversi, lui aussi, mériterait peut-être d'être lu. Merci, monsieur. Je suis tout à fait d'accord pour Reversi. Tout à fait. J'ai pas mal écrit sur Reversi dans des différents livres, parce que je pense que ce médecin lyonnais, ce médecin des pauvres, j'ai rencontré sa veuve à Paris dans les années 80. Et quand je vais à Lyon, j'ai un fils qui habite Lyon, je vais toujours avenue La Cassagne voir l'appartement dans lequel écrivait Jean Reversi Le Passage. Oui. Moi, je voudrais réagir à deux interventions. Celle de Tonio, que j'ai trouvée très intéressante d'ailleurs, et la problématique que tu posais à tes élèves sur Vaïta. En fait, pour moi, Ségalène, c'est un Vaïta à rebours, c'est-à-dire il donne à voir non pas l'avenir, mais le passé tel qu'il n'était pas vu à l'époque, puisque le passé était vu de façon parcellaire par des gens qui en avaient une vision colonialiste. Et là, il a cette vision, justement, plurielle. Ils sont tous exotiques, ces personnages. Il n'y a pas vraiment de héros. Mais il y en a... Là, je parle à Moïtei, il y en a quand même un de héros. C'est Paofei. Et parce que le passage où Paofei dit, quand Nock lui dit, mais c'est quoi ta religion à toi, enfin, tes idées, etc., il dit, où est-ce que je vis? Où est-ce que je suis né? À Tahiti. Et bien donc, ma religion, c'est la religion de Tahiti. Et Paofei, il choisit de martyr parce que Nock lui a proposé, lui a dit, oh ben viens au phare de prière et puis on va un peu t'expliquer, tu connais pas, c'est pas de ta faute. Et il refuse et il va vivre la course sur le récif qui va l'amener à la mort.
Mais ces paroles, elles restent là. Et Ségalène n'a pas pris parti. Mais moi, je comprends que le petit Moïteil qui disait ça et qui était déjà indépendantiste, ça lui a fait vraiment quelque chose. Parce que les écrivains des années 70-80 et tous ceux qui sont encore là, eh bien, c'est le message de Paofei qui est retenu. Merci, Patricia. Merci. Moïteil. Oui. Quand j'ai lu donc, les hymnes mémoriaux de AMJ, il n'y avait pas la couverture d'origine. Et quand j'ai ensuite découvert le vrai ouvrage, en fait, je vais... Ah non, pardon, je ne l'ai pas là-dessus. Je l'ai là-dessus. Excusez-moi. On devient esclave de la technologie. Quand j'ai lu le vrai ouvrage, j'ai été frappé par ce qui était écrit sur la couverture. Ce qui a écrit « Voici la terre Tahiti. Mais où sont les hommes qui la peuplent ? Ceux-ci, ceux-là, des hommes maoris ? Je ne les connais plus. Ils ont changé de peau. » Voilà, donc quand je me suis dit, tiens, c'est dommage que je n'avais pas eu la couverture d'origine. Mais d'un autre côté, ça m'a permis de me lancer à la poursuite de AMJ dans ses différents avatars. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qui veut intervenir ? Flora, le sujet a été évoqué par Daniel au début de cette conférence lorsque tu avais annoncé que le projet de traduire les immémoriaux en tahitien existe depuis les années 70, si je ne me trompe pas, dès le début de la création de... au niveau de l'Académie, depuis tout ce temps-là. Parce que la question se pose, comment se fait-il que les Polynésiens n'ont pas encore tenté de traduire les immémoriaux ? Je vous avouerai sincèrement, j'ai commencé, j'ai arrêté, mais il y a toujours quelque part cette volonté de le faire. Parce qu'il y a une résonance du texte de Ségalène, de ma manière d'écrire en Réotriti. Lorsque Gaëtan lisait ces passages au tout début, à l'ouverture, les parvis inviolables. Lorsque je ferme les yeux, lorsque tu disais en français, j'avais l'impression que ça résonnait en tahitien dans ma tête. Alors, je ne voudrais pas dire, mais je pourrais répondre à ma propre question, mais pourquoi tu n'as pas fait ça, John ? Ben, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, on est peut-être un peu paresseux, mais il y a quand même beaucoup de grands écrivains, de connaisseurs du Rio Tahiti à l'Académie depuis ce temps. Comment expliques-tu, Flora, que les académiciens eux-mêmes n'aient pas tenté, du moins, d'en faire une œuvre ? Ou alors c'est peut-être en cours ? Merci de la question, John. Il est vrai que dans les statuts de l'Académie, il est stipulé que, en dehors de normaliser la langue du fixé, du dictionnaire et tout, à la fin, c'est la traduction de faire la traduction de la littérature internationale même, voilà, de la littérature du monde, voilà, là comment c'était exprimé. Et alors, c'est tout simple, il y avait déjà fort à faire avec la langue, à normaliser des années, le dictionnaire sur lesquels on revient, on n'arrête pas de revenir. Ce que l'Académie, à ses débuts, en 1972, où rien n'existait en termes de lieux, d'infrastructures, de défense de la culture. Donc l'Académie avait tout mis ça dans ses statuts, c'est-à-dire ce qui fait l'objet maintenant
de ce qui s'enseigne à l'université. Voilà. Tout ce qui concerne l'ethnologie, l'archéologie, voilà, toutes ces questions-là, la littérature orale, l'académie devait s'en occuper, mais bien sûr, on ne pouvait pas le faire. Et lorsque l'université a été ouverte, créée, eh bien, nous avons, la première chose que nous avons faite à l'académie, c'est de nous décharger de cela et de dire, il y a une université, c'est à eux à le faire. Et nous, nous allons nous en tenir uniquement à la langue. Alors, il y a eu quelques essais de traduction. C'est John Martin qui a traduit Sixpence, voilà, je crois, un truc comme ça. Enfin, non, c'est pas Stevenson, non, c'est Somerset Maugham. Ouais, ouais. Non, et après, c'est bien après Le Petit Prince, voilà. Autrement dit, il faudrait que dans la société, aujourd'hui, que les gens se mettent à écrire, à traduire. L'Académie ne pourra jamais faire ce travail, voilà, oui. Ne pourra jamais. En fait, tout le monde est pris par la langue, voilà. Voilà. Mais, en fait, ma question, c'était avec la richesse de ton langage, aussi bien dans le Réofran que dans le Réo-Mahoy, tu devrais le faire. C'était une commande, alors pas une question. Maru, merci. Juste pour réagir à ta remarque, John, je pense, enfin, c'est mon avis, hein, je pense que ce serait dommage de faire une traduction académique d'un auteur qui est si peu académique et si poétique, comme tu l'as dit. Il faut un poète ou une poétesse remettre ça à la jeunesse, qui nous en fasse un slam enflammé. Mais voilà, il faut tout sauf une traduction académique, de grâce. Je voulais parler de ma lecture de Ségalène quand j'étais au lycée Paul Gauguin, au lycée de Muay Thai aussi. Je l'avais lu en première au terminale, j'ai eu un choc esthétique. La musicalité des mots de Ségalène, on a presque l'impression que ça s'arrête à l'île entourée de prières et stop, et tout est dedans, quoi. C'est dans le début du texte. Et ce texte m'a toujours hanté pendant des années jusqu'à maintenant. Magnifique. C'est un genre de nouvelle Bible profane. À cet égard, il faut relire Taipi de Melville, qui est aussi riche que les immémoriaux. Et le titre aussi interpelle tellement, on se demande quelle temporalité. Vers quelle temporalité on va y aller. En fait, c'est surtout la densité poétique du texte qui est fabuleuse dans ce roman. Donc tout le monde doit le lire, quoi. Mais je voudrais quand même aussi intervenir, reposer chaque fois que je le peux la question de la traduction. Ouais. Autrement dit, il faudrait qu'à l'université, ici, on ouvre un département de traduction. Ouais. Parce que les étudiants tahitiens que nous avons pourraient devenir aussi les futurs traducteurs. Ouais. Mais c'est une formation. Ouais. Et cela fait plusieurs années là, que je le dis tant que je le peux, et on n'entend pas. Mais je ne suis pas persuadé que tout peut se traduire. Je ne suis pas persuadé que tout peut se traduire. Pour relativiser mon mot quand je dis traduire. Non, attends. Et surtout pas des textes poétiques. Parce qu'il y a très peu de poésie qui passe le stade de la traduction d'une langue à une autre. Mais je prends un exemple très précis dans ma profession. Je suis avocat depuis 60 ans. J'entends toujours, on dit, il faudrait traduire le code civil en tahitien. Ok, d'accord. Alors, je pose la question au premier qui arrive. Je lui dis, voilà, je vais te donner un exemple. Article 745. Tous les biens sont meubles ou immeubles. Traduis-moi, tahitien. Quand tu seras prêt, tu viens, tu m'expliques. Alors, immeuble, c'est immobile. Et meuble, c'est mobile.
Ça, mon cher, c'est du charabia. C'est pas de la traduction. Donc, la traduction, ça pose des problèmes quelquefois, je pense, insurmontables. Et par exemple, on mesure bien la distance et la difficulté dans l'ouvrage de Sora sur Povana, qui est un texte très bien fait, très intéressant. La traduction faite par Madame Gobré à côté est souvent très loin du texte en français. Donc le passage n'est pas facile. Vouloir traduire en tahitien, c'est... Vous avez raison. Mais en même temps, je voudrais m'insurger sur le fait qu'on ne peut pas tout traduire. Si, on peut tout traduire, à condition de reconnaître le traducteur en tant que créateur, en tant qu'auteur de sa traduction. Et la poésie se traduit sur cette base-là. La société chinoise est plusieurs fois millénaire de traducteurs, de poètes. Figurez-vous qu'aujourd'hui, les Chinois, à l'université de Pékin, ils ont traduit presque tous les poètes français. Et nous, en France, qui connaissons-nous comme poètes chinois? Chaque professeur est tenu de littérature, est tenu de faire de la traduction en chinois d'une œuvre dans une langue étrangère. Mais en discutant avec eux, alors, comme d'ailleurs à la suite, au Salon du Livre, il y a eu des tables rondes sur les traductions. Il y a mille et une façons de traduire. Et voilà. Il y a des gens qui travaillent seuls, à deux, à trois, au même endroit, ou bien entre pays. Enfin, voilà, il y a mille et une façons. Ouais. Et dans la traduction, chacun définit sa position par rapport à l'œuvre qu'il va traduire et de comment il va rendre cette œuvre-là. Et donc, il a cette légitimité-là parce qu'en fait, il précise sa position avant de le faire. Et en tout cas, ça donne accès à ce patrimoine humain. Voilà. Merci, Flora. Si cette soirée sur Ségalène pouvait aboutir à un département de traduction, ce serait très bien. On va donner la parole à Ricardo. Je suis très heureux de cette question sur la traduction. Elle m'a toujours, depuis que quand j'étais professeur ici, j'ai sollicité d'abord des travaux de traduction. Et je me rappelle avoir parlé avec les collègues enseignants en disant, écoutez, il faudrait... Le petit texte d'Aristote sur la philia, sur l'amitié, soit traduit en tahitien. Il y a quelque chose d'intéressant dans le monde polynésien, c'est ce rapport justement, qu'est-ce que l'amitié? Bien, avec tes histoires, il faut aller au texte rapide des journaux sociologiques. Cette question sur la traduction est la question centrale chez Ségalène lui-même, de la traduction, des langues, mais des espaces culturels d'abord. Comment confronter, encore une fois, cet héritage si décrié par Ségalène lui-même du christianisme par rapport à cette fascination pour le monde polynésien, pour ce paganisme premier. Et je pense que, et je pense que le texte lu par notre collègue, le chapitre sur Oro, il montre bien comment le jeune Ségalène est fasciné par la langue corporelle, par la langue du corps, par la langue des intensités érotiques, les passages. Attention, Ségalène n'est pas tout et entièrement là. Ségalène est aussi celui qui va faire l'expérience du monde
chinois, du Tao, du milieu, du vide, que justement François Cheng reprendra si bien. C'est-à-dire quitter, disons, la langue de l'immanence immédiate qui se consume elle-même dans le geste, je dirais, érotique, l'éros immédiat, pour susciter cette question qui a toujours travaillé Ségalène, la question de l'altérité et de la transcendance. Entre le monde de l'immanence érotique, de la langue immédiate, corporelle, et le monde de la transcendance, du Tao, du vide, du milieu, le dernier travail essentiel de Ségalène, ça sera ce grand poème qu'il faut absolument lire et méditer, qui est Tibet. Voilà, donc, la traduction, c'est aussi une traduction interne à l'œuvre de Ségalène, c'est-à-dire cet enjeu du sens créateur qui ne confine pas Ségalène à un seul visage. Moitey veut intervenir. Toujours sur la traduction, Ségalène écrit en français, mais John l'a dit, il écrit en français avec une résonance qui nous parle. Quand j'ai lu donc, les hymnes mémoriaux la première fois, c'est pour ça que j'étais convaincu que c'était un Polynésien qui l'avait écrit. Pour moi, c'était un Polynésien qui avait écrit ce texte, parce que après j'ai découvert des années plus tard Chantal. C'est un peu comme quand on lit du Chantal Spitz sans ponctuation, où on est obligé de le lire en se conscient comme on fait un outé ou comme on fait un Himeneru. Voilà, on a une espèce de fusion à la fois corporelle et intellectuelle avec ce qui est écrit. Et on retrouve ça quand même. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, John, mais la manière dont il écrit, voilà. Tu fermes les yeux et ça pourrait être Tréhé, ça pourrait... Surtout à la lecture de Gaëtan, qui vient de le connaître, là, il devrait être la comédie française, ou à l'opéra, non, c'est vrai. Vous apprécierez, là, quand même, vous avez tous entendu, c'était bien particulièrement maîtrisé, c'était rythmé, c'était fort, c'était appuyé, et ben, quand je t'écoutais, Ça résonnait littéralement en moi. C'est-à-dire que ce texte est vraiment porteur de quelque chose qui pourrait déboucher sur ça. Je suis persuadé que ça va arriver. Merci, John. Monsieur, au fond. Oui, alors dans l'histoire, il y a eu deux grands médecins. Le premier médecin, c'est Rabelais, donc l'humour rabelaisien qui plaît à tout lecteur. Et le deuxième, c'est les voyages de Gulliver. Gulliver, qui était un médecin médiocre, qui s'amusait à soigner les marins dans les bateaux. Et en même temps, le problème de la traduction, nous, les profs d'anglais, on nous interdit de traduire maintenant au lycée. Avant, on traduisait beaucoup, ce qu'on appelle herméneutique. On devait tous être dans l'interprétation, en fait. Par l'interprétation, c'est plus facile, sinon c'est difficile, quoi. On ne peut pas vraiment traduire, ça c'est vrai, hein, d'une langue à l'autre, mais on peut interpréter. S'il n'y a plus de questions, eh bien, on va clore cette soirée littéraire en vous remerciant beaucoup pour être venus si nombreux. On n'attendait pas autant de monde hein, quand on en a parlé, Mylène. Hein. Non, c'est clair. On est vraiment très content de vous avoir parmi nous. Voilà, tout à fait. Alors, si vous êtes intéressé par le livre Les Immémoriaux, qui vient d'être édité par l'édition Happy, je crois que l'éditeur est ici. Et si vous êtes intéressé par le livre qui est maintenant introuvable, le travail de Jean Semla sur les immémoriaux, M. Koenig m'a donné, je crois, les trois derniers exemplaires qui sont disponibles. Voilà. Voilà. En tout cas, merci encore à tous les intervenants d'être venus, d'avoir consacré du temps pour Ségalène. Et merci beaucoup.